Bonjour à tous, chère communauté française. Non, je plaisante. Salut tout le monde, bienvenue au rendez-vous quotidien. 20h minuit, Altice Live comme d'habitude. Colonel Springfellow dans la police d'Altice et ses aventures folles. Comme ce soir, il est paysagiste, il fait des moules et des plantes. Et les plantes doivent avoir le dour. Donc voilà. Bon allez, continuation de la mission Sierra. Unité secrète de la police et en civil, secrète. Unité civile de la police d'Altice. On va suivre ses aventures. Merci aux followers de cet après-midi. Merci encore à vous. On est encore de plus en plus nombreux. On a dépensé les 9000 vues, les 400 followers, les 36 abonnés. Merci à tous. Ça fait super plaisir. La chaise gaming arrive demain. Surprise. Merci aux grands followers et abonnés de la chaîne. Merci à vous, grâce à vous. Mon petit derrière vous remerciera. Bon allez, bon live à tous. N'oubliez pas de partager la chaîne. N'oubliez pas de vous follower. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube et nous rejoindre sur Discord. Merci à tous et bon live à vous. Éclatez-vous et faites vibrer le chat. Qu'est-ce que c'est? T'es fou, quoi. Gandalf Black, putain, il est encore là, lui. Moi un peu. Putain, il est où, là? Ah, ouais. Tywin Robert. Encore un Spartz. Un Spartz, encore. Tywin Robert. C'est moi ou... Ah non, c'est... Salut Trunks, comment tu vas? Merci d'être là. Ah, grosse vague de démission, c'est-à-dire. Qui c'est qui démissionne? Faites-moi la liste. Yuri qui est parti. Non, Odor il est parti de lui-même. Non, non, il est parti de lui-même. J'ai appris ça tout à l'heure. Sneed, il veut partir, ouais. Ouais, forcément. Ah, Mike Bellic, Maxime, Bellucci, ok. Bah, écoute. Oui, bah, c'est normal, ils viennent en groupe, ils partent en groupe, quoi. C'est leur choix, les gars! Douglas et Kali hésitent à partir. Bah, écoute. Leur choix leur est propre. Mike Bellic d'après ça qui et Mike Bellic d'après ce qu'ils disent. Ils font le choix de partir ou pas, chacun est libre de faire le choix qu'il souhaite. Mais faut savoir qu'avec la politique actuelle, les départs OK, les retours pas sûr. On va faire le bon choix. Beaucoup sont partis et beaucoup ne reviennent pas. Alors moi je dis ça, je dis rien. Beaucoup qui partent et beaucoup qui disent « Merde, j'aurais dû rester. » « Je veux pas paraître chacal, mais du coup, il y a une place dans Sierra ?» Non, t'es un chacal.
J'aurai l'exploratrice. Oh, mais qui c'est qui veut me parler encore là? Putain, mais ils font chier là! Oh là 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 là! Bonjour, je... Oui, bah on a compris! C'est qui là qui veut me parler? Putain, j'ai pas de téléphone, les gars. J'ai pas de radio, j'ai pas de téléphone. J'ai pas de téléphone. Ouais, s'il vous plaît, un téléphone. Ou lis-moi le message, je m'en fous. De... Ah bah voilà, ok. Besoin de police bijoutier, vite. Ah bah voilà. Adrien Barowski, oh putain, ah, d'accord. Ouais, exactement. Laisse intervenir d'abord la police, hein. Nous, tu vas pas griller notre... Notre... voilà, de toute façon, t'as cassé, on s'en fout. Fais-moi une commande longue, là, rapide, là, pour... Oh, ça c'est que j'ai pas de radio longue là, sur carte. Ouais, je la vois pas. Ok, d'accord. Je la vois pas. Salut Ancira. Salut Ancira, hein. Salut. Ouais bah Ancira, bah c'est normal, c'est un peu moi le patron. Ah, hop. Ouais, c'est moi le boss. Donc, forcément, je suis Ancira. Salut Crépy, comment ça va? Mais il se passe quoi là en fait? Ils sont combien? Hop! Arrête-toi, toi! Braquage! Allez, gaz! Allez, gaz, gaz, gaz! Allez, 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 fonce, 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 fonce! À tous, le code noir est enclenché. Un civil a été menotté. Code noir enclenché. Reçu? Merde. Est-ce que c'est reçu à tous de DD? Code noir enclenché. Civil? Salut, non? Code noir engagé, civil tatané menotté. Code noir enclenché, braquage. Ils ont tout l'argent de la DC sur eux. Affirmatif, code noir enclenché, civil en danger, menotté. Normal qu'il n'y ait pas le son. Ah merde, ouais, pardon, excusez-moi. Il y a que des packs dans le. Dans putain, dragon, allumez-les. Excusez-moi, pardon. Allumez-les, les gars. Vise les roues, on s'occupe du. Ok, bon, c'est mon face. Il y a la une force focus qui vient de take down une erreur. Attends, c'est avec eux. Vous shootez tout ce qu'il y a, tant pis. Allez, hop, faites votre boulot de flic, les gars. Ouais, je sais, mais moi je regardais juste les. La Ford Focus, si jamais c'était pas que j'avais pas envie de me faire rafale. Hein. Un otage dans le VL. Jeff, prenez en compte le message immédiatement. Stop, shoot, stop, shoot. Otage dans le véhicule. Hauteur, je pense qu'il y a le petit tireur conducteur abattu, je pense, au véhicule cassé. Ok, reçu. Allez, info sur le. Il y a un otage dedans, il y a un otage dedans, on l'abat, on l'abat. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi maintenant, arrête-toi maintenant, non.
deux morts de dragon. Ok, appelez la sécurité civile, urgent. Civil blessé, civil blessé. Dragon 2, vous voulez qu'on récupère les trucs? Sniper, je répète, sniper, mettez-moi en position. Allez, abattez-le, abattez-le. Vous êtes sûr, à proximité de sniper? Ah merde, je croyais que j'étais vivant, lui. Désolé, mec. Le, toi qui es en train d'être devant. Soignez-toi, vite. Merde. Quoi? Besoin de soins, les gars. Besoin de soins. Les médecins, ils sont nés au chevet. Moi, c'est comme à la gauche. Pas d'infos, pas d'infos. Vas-y, go, go, go. Embarquez-moi ça, là. Embarquez-moi ça dans la Shelby, là. Vite, vite, vite. Civil en priorité, les gars. Il est où, le civil? Il est dans la voiture. Eh, go, go, monte, monte, monte. Vous avez pas sorti? Ça, il parle de droite. C'est bon là, il est dehors? Je sais pas si oui. Pour Viper, je l'ai sorti là, non? On a impacté. Pour tous, là j'ai un VL qui rentre dans la ville, la petite ville. Il peut pas sortir, Dédé, il est un. De Viper Lead, on vous en unité pour extraire la patte. Mets la voiture en fourrière. Viper Lead de One. Ça marchera pas. Transmet pour toi. Si, oui. Mais si. Ah, mais s'il y a un pack dedans. Il reste encore? Il y a pas de pack dedans. De toute façon, on a une unité qui est sur Neo Shuri. Ok, d'accord, ouais. Y'a pas le choix là, de toute façon. Mise en fourrière en unité. Ça. Viper Lead de Rouen. Mise en fourrière, erreur. Sur écoute de Viper Lead. Information sur votre position. Ouais. Nous sommes en opération. Par l'instant, vous restez en stand-by BA. BKR en attendant. A tous, j'ai besoin d'un véhicule d'extraction du civil. Tu veux que je le mette en fourrière? Pour info, de Rouen, on est déjà sur vous dans 501 km. De tir à deux, le. Pas, le VL gris pas que préparer le véhicule. Aucune info sur le VL. Je sais, je suis rentré dans la ville et parti en off-road. Appelez-moi la sécurité civile, besoin urgent. De Dragon 1, sécurité civile dans nos voitures. Non, mais je peux pas, il est bloqué dans la voiture en fait. La sécurité civile, ouais, déjà sur nos voitures. Il est peut-être décédé. Je sais pas, mais en tout cas, je peux le soigner. Donc quand il est décédé, il a pas de. Il est mort. Il est mort. Non, il est pas décédé. Non, je sais pas, je viens de le voir là, il est là. Comment t'es marqué tout ça? Il est là. Ah non, il est là. Il y a juste un problème de. Il y a juste un gros problème. Dragon 2 pour les unités au sol, on va se mettre au-dessus de vous si vous voulez nous extraire des gens. Merci. Tiens à vous. Oh Théo. Oh bah non, ça roule même pas ça. Comment on fait là? Il faut se soigner. Le Sierra 2, Sierra Lead, vous avez plus de tir autour de vous. Dis-lui, appelle la sécurité. Il a perdu, il a perdu, il est parti. Problème de cerveau. Ah merde, c'est pas ça. T'es sûr? Ah bah il est, ouais, bah, il est là. Hein. Ah ouais. Il est mort? La LCO. Ah il est décédé, il est décédé, il est décédé le Tiffy. T'es sûr? Oui. Ah y'a Tiffy là tu peux plus récupérer là. Bon, est-ce que vous avez récupéré tous les braqueurs? Et n'oubliez pas qu'ils ont l'argent sur eux hein. T'es reçu? Ah, de Douglas, un pack qui est mort. Prenez l'argent. Prenez l'argent de la l'entreprise. Bah, t'es sûr qu'il est mort? Ouais, si, 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 il est mort, il est mort. Ah merde, bon, bon, ce cas, ça va. De Canamo, j'ai récupéré 2 430 000. Ok. Nickel. Ouais, ça paraît un peu trop faible, ils ont dû disparaître. Ils avaient peut-être pas tout vendu non plus. De Douglas, j'ai récupéré 2 packs et j'ai rien récupéré sur le terrain. Si c'est des packs, c'est peut-être plus grand. Ok, il s'agit de Franck Castella. Décider, propriétaire du véhicule. Salut, comment vas-tu? Dis-moi, je cherche un serveur où je pourrais faire partie de la gendarmerie de l'armée. La musique, après, je suis dans la gendarmerie en IRL. Salut, Twitch Coil, bah, bienvenue à toi. Bah écoute, effectivement, nous avons une police sur le serveur, un serveur modé. Donc il suffit pour ça de venir sur le forum, t'inscrire, télécharger le launcher et le mod. Et après tu peux te couper. Nous avons une police, en hélicoptère, en civil, style PSIG, style brigade et héliporté type SAG. Moi ?
votre collègue. Yo Benjamin, bienvenue. Yo Weezer, bienvenue. Merci d'être présent. Salut Kiptou, comment ça va? Je m'éloigne à chaque fois. Il est où l'otage? Celui qui avait été... décédé. Décédé. Merde. T'as dit meurs qui a l'argent là? Kanamo, 2 430 000 sans moi. T'es où Kanamo? À côté de la PMA. Je crois que je vais me poser avec le L4 et tu vas me filer l'argent. Reçu. Viper, c'est une unité, style brigade, l'unité de base de la police en fait. Comme Cobra. Des écoles, Lady? Ouais, nous on se casse, on va pas nous briller. Allez, position, parce que j'ai un ici sur des unités urgent. Il y a un VLG qui arrive sur la position, est-ce que vous pouvez tenir sur la route principale s'il vous plaît? On sait pas si c'est Pax ou pas, il fait que tuer. Oui. Vous lui avez demandé de s'arrêter? Oui, ça, allez direct au principal. Il était au début de la. Ah ouais, c'est la Dodge grise là? Nex, c'est une RS7, je crois. AFF, on l'a vu tout à l'heure. Partez du bijouterie. Elle arrive sur la route principale. Ouais, c'est sûrement parce que le deuxième. Bah, de rien, moi, petit Twitch. On a encore du coup des blessés sur zone qui sont en train d'arriver ou non? Salut, magicien, comment ça va? Il me semble pas, non. Du coup, au niveau de la route principale? Info sur la RS7 du coup maintenant? Attends, on ouvre direction route principale, on va. Ah, le Dimers, on a deux appels de détresse à la BA, là, envoyez une unité pour voir. Cobra, on va se repasser canal 3 et on va aller sur BA. Donc, de Cobra, tourne canal 3 s'il vous plaît. Cobra, pourquoi vous passez canal 3 là? Ok, c'est pas terminé? Bah non, pas trop, non. Ok, ouais, tu passes une ERS? Ouais. ERS posé au niveau de Syrah. Ouais, Syrah, occupez-vous de ces personnes-là et comment vous partez sur BR? C'est sur les canaux. Recule la voiture, recule la voiture, recule la voiture. Recule la voiture. Attends, j'en mets une deuxième. Non, c'est bon. Syrah, vous pouvez enlever votre ERS, il est parti de l'autre côté. Merci. ERS enlevé. Refus d'obtempérer caractérisé ou pas? Affirmatif. Bien reçu. Bah, vous lui faites les sommations orales. Hein. Dites-lui de bien s'arrêter, qu'il est tout seul. Etc, etc, etc. Est-ce que vous pensez qu'il fait partie des braqueurs? Pas plus d'informations, on n'a pas pu passer à côté de lui. Le message qu'on a eu des otages, il venait pas de la, du ML. Il venait derrière nous. C'était où pouvait être la... Donc ça peut venir. Ouais, ça peut être de... Ça peut être... Ok, bon, pour information, le véhicule RS7 peut provenir des braqueurs. Donc, possible code noir sur le véhicule. C'est reçu? C'est reçu. Je suis bien, Chiron. Pas de retour. Sarah 2? J'ai pour Sierra 2. Ah, vite, vous êtes là. Non, c'est ça. C'est sur le 6, c'est marqué. Dis-leur de passer canal 1. Ah, ils sont loin. Au niveau en terre de guerre. Jeff pour Sierra 2. Mais attention, Dédé, merci. Et Icon. Passer canal 1 et continuer la poursuite avec nous, direction raffinement de Kier. Affirmatif, moi. C'est moi le civil. C'est moi le civil mort. Vous avez toujours levé. Ah, bah désolé, Icon, on a tout fait pour te sauver, mais t'étais bug voiture en fait. Sinon, t'aurais sauvé en fait. Les chers pompes finalement. Bon, en fait, on voulait te sortir de la voiture, mais on n'a pas pu en fait. Sinon, on t'aurait sauvé. Il est plus tard. Adjudant. Thanks. J'ai volé, moi, c'est à la 45 qui est. La couleur grise. Ok, vous êtes toujours au cul de la bagnole ou pas? Merci. Plusieurs sommations faites? On lui a demandé de s'arrêter plusieurs fois. Giro de ton? Est-ce que vous avez les giro de ton? Neg, je les mets. Tu les mets?
Et dans 30 secondes, s'il répond pas, tech down. C'est reçu ? C'est reçu. Ok, fuite caractérisée apparemment. Bon allez, vous tech downez le véhicule, CPA, vous tenez prêt à faire des shoots de sommation dans 20 secondes chrono. Reçu ? C'est reçu, de Dragon 1. Vous nous donnez l'ordre de faire sommation. Partez vite à la BA les gars. Bye. Ouais, j'ai tout fait pour toi, mon petit iPhone. Vous voulez retirer, c'est moi une communication. Ok, CPA, c'est parti. Il est où? Oh, je l'ai pas vu, putain. Je l'ai pas vu. On se rapproche pour essayer de les menotter ou de les intercepter. J'ai pas vu. On a un problème. Il manque quelqu'un au stream. Ah bon, qui ça? Et donc les gars, Diagon. Allez vite, on les stabilise et on essaie de les embarquer au lieu dans l'hélico. De Nick, on a des décovards. Qui a reçu, tu le stabilises et on l'embarque aussi dans l'hélico pour embarquer à une PM. Affi, c'est stabilisé. Si vous pouvez me les traîner jusqu'à ici ou porter pour dédévier qu'il est là. Merde, j'ai fait de la merde quoi. Voilà le problème du LRPS, ça te met la vision x3, là x4, x8, là x6, là. Tu vois rien du tout, c'est chiant putain. Casse-couille. S'il y a un suspect en bas. Blobs, bah si, elle est là, elle est sur le chat. Elle est discrète, mais elle est là. C'est moi, Mon arme, c'est une HK-417 chargeur 150 balles, 5,56. Elle est aussi en rebelle, ouais. Et bon. Attendez, on décide de RCP dès le 3, c'est pas, on démarre pas. Embarquez-le, ça peut le ralentir dans sa mort aussi. Quelqu'un s'occupe de prendre la RSC. Transmet. Je l'ai deux blessés dans mon dragon, est-ce que je pourrais avoir un médecin sur la BA? Je suis dispo sur la BA si tu veux. Donc, petit projet ALF, étant donné qu'il y a eu pas mal de problèmes avec les rebelles sur l'île, sur le serveur, j'ai eu l'accord du staff, du haut staff, à montrer l'exemple de ce qu'on veut à la mise à jour. Donc le projet est lancé. Le projet est lancé et je vais ouvrir quelque chose de légal. Enfin, je vais vous faire la surprise, vous allez découvrir ça sur mes streams. Je vais créer quelque chose sur le serveur d'original et du côté mafieux, bah, rebelle, bandit et entreprise. Et vous allez découvrir ça sur le stream et ça va vous permettre, vous qui jouez sur le serveur, de venir sur mes streams et de voir ce qu'on vous demande au niveau staff. Comment jouer RP. Et là, ça va être du grand RP, mais Arma 3. Ça va être du jamais vu sur le jeu Arma, sur les autres serveurs. Je pense pas même que ça a déjà été fait. J'ai regardé plusieurs streams dans la soirée et dans la journée et je n'ai jamais vu ça. Donc là, je peux vous dire que je suis en train de préparer une inédite Arma 3 sur le serveur ALF. Et ça va permettre d'avoir un exemple pour les rebelles et les bandits sur la crainte de la mise à jour qui va arriver plus tard. En attendant, je vais montrer à tous les rebelles et les bandits comment jouer RP. Pas comme ce groupe-là qui gagne fight pour rien. Voilà. Pour de l'argent, certes, mais pas pour d'aider aux merdes que j'ai entendu. J'ai l'impression
ou c'est ton collègue qui t'a mis une balle sans faire exprès. Mais je crois aussi en fait, mais je suis pas sûr. Donc du coup, voilà ce que je vous prépare sur ALF. Le mapping est fait. Je suis en train de recruter les gens. Ils ont tout et stable. Après, je lance. Okay, en plus d'être colonel de la police, je vais lancer ce truc-là. Donc, je vais avoir un double RP, double personnage. Ça va être énorme. On va sortir. Est-ce qu'il y a des personnes belles qui peuvent m'aider sur... Qui tu m'as bloqué, j'ai pas laquelle, tu m'as fait. Avec lui, hein. Faut que tu m'ouvres, on s'en. Donc tu fais des dents pour éviter. Bah ouais, je vais mal écart. Est-ce qu'il y a des personnes sur B qui peuvent nous aider s'il vous plaît? Écartez la voiture, écartez les dégâts, vous voyez qu'il explose. Oula. Alors, c'est pareil. Ah bah, voilà, c'est... ah bah oui, je confirme Omega, c'est bien mon collègue qui m'a tué. Voilà, comment je rejoins SVP? Tu vas sur altisafrance.com. Le site, tu télécharges le launcher, il faut installer toutes les figures par rapport à ton jeu Steam, Steamapp, Common Armor 3, pardon, et après tu télécharges le mode qui fait 7 Go, et après tu TeamSpeak, le Task Force, et c'est un problème, tu vas voir un de mes helpers, un de vos helpers, et t'explique. Putain, je viens de perdre 2 millions de packs. Hein? Ouais. Ah bah, ça m'étonne même pas. Ah bah d'accord, super les gars. Salut Dios, Dios CZ 2400, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, tu peux nous rejoindre sur Discord pour des jeux intra-communautaires, en interne sur R6, LOL, Apex, et plein d'autres jeux d'ailleurs, CSGO et tout ça, et également sur YouTube, pour revoir les gameplays et les lives que tu souhaites revoir, tu as juste à taper point d'exclamation Discord et point d'exclamation YouTube, merci à toi et bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille. Je pense que c'est qu'il y a des voitures là. Putain, c'est quoi ces voitures encore hein. Pour ça, il faut déjà avoir plus de 200 heures sur le serveur, je pense. Ouais, il faut quand même une petite expérience civile avant de pouvoir postuler police, hein, Twitch. Hein, Twitch Kai. Ah, j'ai que 17 heures, mais j'étais gendarme et militaire sur le serveur Tirna. Ouais, mais Tirna, c'est pas LF, mon petit. Enfin, viens déjà, télécharge déjà le mode, viens sur TS, demande ma chaîne, bon, tu verras, je suis administrateur sur le serveur, tu me demandes, je te switcherai, je t'expliquerai tout ça, ok? Ok, ok, on fait comme ça? Ouais, mais j'ai bien compris que t'es gendarme IRL. Oui, oui. Pour ça, viens sur Discord, viens sur TeamSpeak, sur le serveur TeamSpeak d'ILF. Tu me demandes moi, et je te switcherai de mon gauche.
serveur qui m'a jeté de la police. Ah bon? Yo, c'est Coco. Ah, c'est Coco. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, mon petit Coco? Oh bien. Ouais, bah tu sais, ça a bien changé de serveur. Pareil, plus personne. Il n'y a plus personne que tu connais. Viré, qui c'est que t'avais viré Coco déjà de la police? Le directeur RIF pour Lyon Plantel. On va récupérer les Hertz qui a été posé par Viper à Neo-Shori pour éviter les accidents de ville. Vas-y, vas-y, je suis à la BA en train de quelqu'un. Moins de 5 minutes. Normalement, sur le point R, s'il y en avait un, on l'avait vraiment mis à l'ombre du bâtiment. Vraiment sur la route, l'angle du bâtiment. Salut Google, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord pour les jeux intra-communautaires, sur YouTube pour voir les gameplays et les lives. Merci à toi et bienvenue chez nous. Mignon, c'était mignon. Je cherche encore. Putain. Je cherche encore, vu que c'est mignon, ouais. Je sais bien que c'est mon métier de chercher parce que je suis scientifique, mais alors là. Là, je vois pas. Me supprimer le chapeau. J'ai pas de chapeau. Salut Google. J'ai dit Google, j'ai pas dit Google. Pas de respect Omega, s'il te plaît. Voyons. Des fois, je me demande pourquoi, à quoi ça sert de mettre un gilet. Ça sert à rien, en fait. De toute façon, tu meurs. Surtout par tes collègues, quoi. Salut, ça va ou quoi? Salut. Oh, t'es encore là, toi? En fait, tu verras... T'iras voir Stivers. Pour l'histoire. C'est lui qui gère. Il est censé, c'est ça? Hein? Il est censé ou pas? Ah, je sais pas ce que Stivers y décide, mais... Tu verras avec lui. Rendez-vous dans le bureau, non, mais je crois que c'est moi qui allais gérer, mais c'est lui le lead en fait. Je laisse gérer. Il est là ce soir? Non, il vient demain. Donc, d'après vous, de toute façon, je suis en priorité. Hein? C'est quoi votre petite plaque comme ça? On va dire
scénarisé. Comment ça, Krav Maga? C'est pas ça que vous avez dit, hein? Parce que t'as rajouté une couche avec la guilie, en fait. Quoi, la guilie? Je l'ai récupéré, oui. Ouais. C'est un homme masqué, je lui enlève son... Non, mais... cache-masque. Bah, y'a pas de soucis. Vous êtes pas fait gauler par le général sur le toit? Si. Vous êtes d'accord? Les mecs commençaient à être un peu insultés, donc... Ça dangereux, les truelles, mais bon. Ouais, vous avez vu? Tu vas voir ça avec Activer. Si jamais il vous frappe à coup de truelle, c'est dangereux. Je sais qu'ils en ont discuté tout à l'heure, donc... Je peux bien être au courant maintenant, en fait. Bah, moi, je peux... C'est pas mon job, en fait, tu vois. Chacun son job. Mais s'il est pas là, genre... Bah, genre, il... Bah, t'attends demain. Faut se calmer, hein. Attends... Ce qui est normal. Mise à pied, je préfère que tu me le dises maintenant, en fait. Bonne soirée, papy. Bah, je te laisse... Je laisse Stivers faire son boulot, en fait. C'est lui qui décide, en fait. C'est lui qui décide pour toi, c'est pas moi. Et toi, tu dois être au courant. Bah, moi, je suis au courant de l'histoire. Mais j'ai, pas pris de décision sur ta sanction, en fait. Mais si tu dois prendre une décision... Ah bah... Si moi, je dois prendre la décision... Oui. Bah, moi, tu vires de Syrah, hein, je te le dis. D'accord. Voilà. Maintenant, je sais pas ce que lui, il va décider de faire pour toi. On est... Bah, justement... Et du coup, pour deux yeux, du coup, vous voyez sur la petite 2, ma liste, c'est marqué si vous pouvez me passer votre plaque. Qu'on puisse justifier, comme vous avez dit à mon collègue, justifier l'avance par la violence. Je peux pas courir, parce que vous avez dit. Donne assistance à personne en danger. Tu vas prendre l'air. Petit 3, non, nous personne en danger, c'est top. Il est où le ministre? J'ai envoyé un message là, il me répond. Ah, vas-y, note. Il a toujours pas répondu. Pour le temps, Syrah, vous êtes là? Avant, j'avais. Syrah, vous êtes là? Je sais pas quoi là, mais lui, il sert à rien. Bah, je suis de retour. Ouais, bien sûr. Ah, oui, on est avec un civil là, qui est en train de nous négocier non, avec une vidéo. Reconnaître, il a une voix particulière, le monsieur. Après, s'il y en a un, il s'appelle. De ce que j'entends, il aura une vidéo qu'on prend le temps de Syrah. Eh, je te vois avec ton sac, hein. C'est pas lui. Oh merde. Il a le même bonnet que les autres. Ah, c'est les paysagistes. Ouais, il a une barbe. Bon alors, vous voulez que je vous mette la plante où et dans quel pot de fleurs, monsieur le policier? Alors, donc cette plante, il faudrait que vous la placiez là-bas. Mais vous avez quoi? Des tulipes, c'est ça? Non, j'ai des pavés et il faut que je fasse la décoration en pavé. Ah, ça c'est le jardinier paysagiste. Oh, ta gueule, toi, tu laisses mon métier tranquille, s'il vous plaît. Moi, je vais pas déranger toi. Moi, je fais tout, je fais tout. Moi, pourquoi eux foutent de ma gueule? Parce que moi, avoir accent ou quoi? Je sais pas du tout, monsieur, je sais pas du tout. Ça va pas très gentil dans le commissariat. Moi, venir travailler, rendre le commissariat joli et moi, me faire insulter. Pas sympa. Non, sinon, vous pouvez. Vous inquiétez pas, ils travaillent là-bas, vous les entendrez plus, vous inquiétez pas. Ouais, moi, travailler là-bas sur le mur parce que, vraiment. Parce que le paysagiste, d'accord, il était après moi là. Ouais, le paysagiste, m'en fous, ferme ta bouche, toi là-bas. Bah, envoie ça que tu t'en fous, mais y'a pas de soucis. Elle est à 20 000. C'est bien 20 000. C'est bien 20 000. Parce que j'ai pas récidivé, donc pareil. J'imagine que non. Non, mais c'est bon, on reste comme ça, c'est bien. Non, mais c'est bien, on reste comme ça. Oui, on reste comme ça. Le pauvre, non, il s'échappe. Non, c'est pas vrai. Mon dieu. Ouais, mais on va. Oui, mais on va rester normal, c'est bien. Normal. Aïe aïe aïe.
Ouais, ça fait 800 000. Qui apparaît sur TSA. Fait 800 000. Très belle somme. 800 000. Bien 800 000, je pense. S'il vous plaît, monsieur la police, vous pouvez ouvrir le portail, s'il vous plaît, pour moi sortir faire plante. Quoi? Oh, lui, ça a l'air d'être un tueur, lui. Vas-y, ouvre-moi le portail police, s'il vous plaît, pour moi sortir réparer plante. Sûr. Non, je vais pas regarder, mais faites prêt. Parce que moi, pas avoir les clés. Moi, peut-être Portugal, mais pas les clés et portails. Hein. Moi, faire tout mour, tout en dur. Toi, pouvoir ouvrir, moi, mour. Merci beaucoup. Ah bon? Ah ouais? Ça va dans votre poche à la fin? Les poches de l'État. C'est rien, vous venez récupérer? Une partie dans votre poche. Je suis derrière la BA. Vous mettez vraiment bien. 150 000 plus. Peut-être rentrer dans la police, moi, t'es. Oh, Mour, beaucoup de problèmes, l'amour. Hein. L'amour, beaucoup de problèmes. Hein. Moi, réparer tout ce mour là. Enduit, hop, petit enduit. Petit crépi, pas cher. Crépi d'arabe. Crépi d'arabe, très bien, pas cher. Non, turc, turc. Hop. Je crois qu'il vient de s'évaporer. C'est un mec qui s'appelle Tyler Spring, con. Syrah, vous maniez le cul, s'il vous plaît. Syrah, vous maniez le cul, s'il vous plaît. Je vais pas rester 10 ans dehors. On est en discussion avec un. Avec un sacré spécimen. Justement, quelqu'un qui peut aller chercher. Ouais, pour aller chercher, appelle, histoire qu'il puisse venir lui discuter aussi. Non, c'est pas paradoxal du tout, parce qu'en fait, compte, quand tu braques une entreprise et que tu menottes des civils et que tu les embarques, je vais effectivement tout faire pour sauver le civil. Tu es braqueur et preneur d'otages. Donc forcément, quand je peux récupérer l'otage de la manière la plus forte et la plus rapide, c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, Diozer, malheureusement pour toi, t'as fait la remarque qu'il fallait pas en fait. Comme j'ai dit, on ouvre le feu que sur les preneurs les braquages et les preneurs et les PO. C'est ce qu'on a fait. On a pas mis en péril quoi que ce soit. C'est par contre, on a mis fin au crime. Dans les autres cas, on ouvre pas le feu en fait. Ça. Il se passe quoi là hein? Tu me récupères quoi? Peut... Bah oui, il y a Artyom qui est là. Tu veux qu'on prenne ton VL ou on prend mon VL? Ah, mais là on est je sais pas combien. En plus, je sais pas. Comme tu veux. Saigne. Ouais, il nous faut un autre VL. Exactement. On est pas assez. On est trop et il y a que deux VL. Et bah voilà, on prend celui-là, c'est pas grave. Ou attends, je vais sortir un 45. Ouais. Et donc, du coup, ouais, la notion de roleplay, c'est ça en fait. En fait, quand tu es braqueur et preneur d'otages. Bah déjà en menottant un civil, déjà t'as enclenché le code noir en fait. Donc la police elle va plus négocier avec toi en fait. Sachant que là il y avait que deux preneurs d'otages. Il y avait que deux preneurs d'otages dans la voiture avec l'otage. Mon colonel, tu veux parler? Ouais, pardon. Ouais. Non mais. Quoi? Excusez-moi monsieur, l'atterrissage il est approximatif des fois. Hein. Merde, pas ça. Non, rien, laissez tomber. Au revoir. Ouais, mais du coup. Ouais, mais. Mais du coup, genre, en fait, je suis là. Voilà, la notion de replay, elle est pas bonne en fait. J'ai eu ma réponse, Sia. Ah, merde. Sia. Non, je me trompé. Non, pas compris. Mais non, j'ai claqué 3 millions en même pas 2 jours là, chez vous, là, c'est bon. Là. C'est quoi ce merde là? Mais non, mais j'ai fait. Bonjour, monsieur. Vous allez devoir vous arrondir les fins de mois. Ça manque, c'est con, comment ça se passe? Par contre, je veux un avocat du coup. Je veux un avocat du coup. Ah merde. Non, je veux 9A, c'est. Ça, c'est paradoxal. Non, faut que tu comprennes que tu veux te donner une image de ah là là, les fights, c'est chiant. Alors que tu montes inverse, dis pas. Mais non, putain, Dieu, c'est ça que t'arrives pas à comprendre en fait. Mais putain les gars, vous arrivez pas à comprendre en fait.
on est appelé sur un braquage de la de l'entreprise. J'ai pas fait de bêtises. On est appelé sur un braquage de l'entreprise. Vas-y, le mec, je vais tout enterrer l'argent. Le mec braque et menotte un civil. Mais merde. Le mec braque un civil. Le mec pique de l'argent à l'entre à un civil. Non, j'en ai pas, merde. Ça s'appelle comment ça? Je dois en avoir un garage. Attends, mais attends, je sais pas ce que c'est. Attends, je sais pas ce que c'est. Attends, bouge pas. C'est quoi comme voiture ça? Ah, mais attends, je t'en sors un. Je dois en avoir un. Le mec donc braque une entreprise, menotte le civil. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis policier. Je suis pas curé ou bonne sœur ou dans une école, une paroisse. À un moment donné, les gars, quand vous. Le RP, bah c'est le roleplay, tu joues en conséquence sans éviter les gunfights. Pour éviter les gunfights. Là, le gunfight, c'est pas moi qui l'enclenche, c'est eux en menottant le civil. C'est eux qui enclenchent le code noir, c'est pas moi. Toc toc. Eh ben écoute, si t'es pas content, bah tu quittes mon live et tu vas jouer sur un autre serveur. Qu'est-ce que je te dis ? Voilà, c'est simple. Si tu veux polémiquer ici, c'est pas pour polémiquer en fait. Si tu veux polémiquer, on se donne rendez-vous sur TeamSpeak tout à l'heure et je t'expliquerai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh ben en plus, t'es pas sur le serveur. Alors d'où tu veux me parler de roleplay sur le serveur en fait? J'étais juste écouté. Ben justement, je ne veux pas qu'il y ait des gunfights, je veux des gunfights intelligents. Là, salut Maxime, comment tu vas? Bienvenue à toi. Merci d'être là. Ce que je suis en train de t'expliquer. Je ne veux pas de gunfight stupide pour de la merde. Là, les mecs, ils ont une raison valable, en fait, de braquer la DC, en fait. Ils braquent la DC. Pas de problème, je suis d'accord. Mais moi, j'ai un civil de me loter. Le code noir, c'est pas moi qui l'enclenche, là, c'est eux. C'est pas moi. Ce fight était intelligent, selon toi? Bah, leur raison, c'est quoi? Braquer l'entreprise. Bon, tu comprends. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je m'occuperai de ça. Je viens de le dire. Ah, j'ai dit que je m'en occuperai. Oh, salut toi. Ça va toi? Bonjour. Bah, je vais te montrer quelque chose là sur ma je petite tablette. Là, je te transfère. Quelle voix? Transfère ça de suite. L'individu nous parle de cette fameuse vidéo filmée avec sa GoPro ou je ne sais quoi. Ah oui. T'as un réel problème parce que ce monsieur-là. Enfin, je vous laisse vous en expliquer. Je vais vous expliquer. Ouais, allez-y, expliquez-moi parce que je comprends pas trop là, qui vous êtes. Et justement, j'espère que vous prendrez pas le problème quand votre collègue l'a pris parce que bon, c'est pas censé être un problème pour vous à la base. Ah, vous êtes monsieur qui donne du cannabis? Ah non, justement, je vous en avais passé, c'est vos collègues qui m'en ont passé. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu. Ah oui, d'accord. Je l'ai dessus, mais bon, la vidéo montre tout. Bon, écoute, fiston, c'est toi qui as déposé plainte en fait? C'est toi qui as posé une plainte? J'ai fait un dépôt de plainte, effectivement. D'accord. Contre X. Et justement, contre j'ai X. Bien dit que c'était contre X. Ah ouais, X. Tu sais ce que ça... Sur la vidéo, vous appelez nos visages. C'est ce qu'il faut. Ok, nickel. Attends, reviens. Ouais, reste. Réfléchis. Non, mais réfléchis. Remplir camion. On remplit voiture, traité rapide. Non, peut-être. Et vite peut-être, ouais. Bref, le souci, comme je le dis, c'est que sur cette vidéo, en effet, ça peut gagner notre couverture parce qu'on voit nos visages. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu ça, en fait. Sauf que le... Je viens de regarder ça sur mon téléphone, en fait. En fait, tu veux quoi en faisant ça, en fait? Alors, tout simplement, je vais vous raconter la même histoire qu'à votre pote. Ouais. Moi, quand je suis arrivé sur cette île, c'était il y a à peu près 3 semaines, d'accord? C'était au début du mois. Tout simplement, je suis arrivé, j'étais sur une autre île. Où c'était la merde, où les rebelles étaient partout, ils bouffaient tout le monde, et d'ailleurs mon père est mort comme ça. Quand je suis arrivé sur cette île, j'ai vu que sur une certaine partie de l'île, hein, surtout la partie est, mais bon, même si ça débordait un peu à l'ouest, et bah c'était la même chose. Alors je me suis dit que j'allais aider à exterminer tout ça, parce que cette fois-ci je voulais pas rester passif. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté une team, enfin, sans dire que c'était ma team bien évidemment, qui a depuis très peu été dissoute, la secte, ça va vous parler. Ah bah donc t'es un rebelle en fait. Ah bah non, justement, écoutez-moi. Ce qui s'est passé, c'est que le grand gourou, là, je sais pas si vous avez déjà parlé avec lui. Là, ouais, t'as travaillé pour lui, si t'as été dans la secte, t'as travaillé pour lui. Justement, j'ai pas travaillé donc, pour lui. J'ai récupéré à Pierre Gosse, c'était un putain de toco qui était accro à la mettre. Tiens, rentre là-dedans, là. Parce que là, on a l'air libre, là, j'aime pas trop ça. Ouais.
Ah, c'était un putain de toco que j'ai récupéré, qui était défoncé à la mètre à 24. Et simplement, je lui ai promis encore plus de mètres s'il faisait ce que je lui disais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tous les autres tarés rebelles. Ah, les putains de tarés qui avaient déjà fait tout un tas d'assassinats, donc bon, j'avais un problème sur ma conscience. Et je les ai tout simplement montés, ces gars-là, pour qu'ils soient contre d'autres rebelles. J'ai tout fait pour qu'ils arrêtent de s'en prendre aux civils. C'est ce qui s'est passé pendant un bon moment, même si vous avez eu des échos comme quoi c'était pas le cas. Mais croyez-moi bien, c'était d'autres familles qui voulaient nous nuire. Et j'ai bien la confirmation de ceci, même si j'ai pas de preuves. Quelle famille qui veut nuire qui? La Scorpion, tout simplement, a tout fait pour nous dissoudre. Donc à partir de là, elle s'en est pris par nous en payant des témoins, des faux témoins, pour dire qu'on avait torturé des gens ou quoi que ce soit, ce qui était totalement faux. Enfin bref, on a tout fait pour monter un contrat. Et du coup, avec ce contrat, on pouvait circuler un peu plus librement pour choper des rebelles, même si au final, ça s'est pas très bien passé, parce que bon, malheureusement, j'ai pas calculé un truc, c'est que les gars étaient des vrais tarés, des vrais cons, et que voilà, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était s'exciter comme des cons dès qu'ils voyaient des poulets. Enfin bref, au final, ça s'est très bien passé, donc bon, mon frère, un jour, il est rentré dans un commissariat, puis j'ai jamais vu ressortir. J'ai juste entendu une grosse explosion au loin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon... J'ai quelques doutes quand même, parce que il était au 14 juillet de Altis. Ah, ça devait être ça, le 14 juillet. Et c'était sur le port, justement, le 14 juillet. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, après ça, moi je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre maintenant? Maintenant qu'il n'y a plus de secte, maintenant qu'il n'y a plus rien, comment est-ce que je vais m'occuper des rebelles? Du coup, je me suis dit, au lieu de gamberger sur tout ça, je vais simplement aller poser la question à celui qui est responsable de ça. Parce que moi, si j'étais là, c'était pour exterminer la vermine. Si j'ai pas rejoint les forces de police pour le faire, c'est simplement parce que quand je suis arrivé sur l'île, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de ripoux qui étaient payés par les rebelles pour faire ce qu'ils voulaient. Donner les casiers, donner les équipements, ou tout un tas d'autres choses. Enfin bon, ce qui s'est passé, c'est que ces gars-là, moi, je les ai laissés faire parce que je voulais pas cramer ma couverture. Et puis tout simplement, je me suis dit que j'allais passer du côté obscur en apparence, mais qu'en réalité, je m'en suis jamais pris au moindre civil. J'ai jamais braqué le moindre civil, uniquement des personnes qui faisaient forcément l'illégal ou des choses comme ça, et puis eux, je m'en suis occupé d'eux, ça je peux vous rassurer. Enfin bon, après ça s'est pas forcément très bien passé au final, puisque la secte s'est dissoute, et maintenant je vous demande, maintenant que la secte a été dissoute et que c'est votre faute, entre guillemets, même si vous pensez peut-être pas à mal, hein, je comprends, y'a pas de soucis. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Justement, c'est pas à moi de me poser la question, vu que non, mais attends, fiston, t'es en train de me raconter ta vie, là. Ah bah justement, maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que tu veux faire contre moi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, pas contre vous? Pour moi? Attends, tu viens... Alors... Le mec! Attends. T'as pris une vidéo à mon insu, tu t'es présenté au commissariat, t'as déposé plainte contre mes services, et tu crois contre que X. là... Contre X, ouais. Donc, t'es en train de me faire du chantage, là? C'est pas du tout du chantage, c'est juste que j'ai envie de ressortir ici en vie, c'est tout. Ah bah ouais, et en la jouant comme ça, tu vas rester en vie, toi. La vidéo a été montrée à d'autres personnes. La vidéo a été passée à d'autres personnes, donc si je pars ouais, ici... Ouais, t'es en train de me faire du chantage, quoi. Simplement parce que j'ai envie de survivre, ça se comprend. Ouais. Tu sais qui je suis, moi? Ah bah pas très bien, mais bon, justement, j'aimerais peut-être le connaître. Non, bah tu me connaîtras jamais. Parce que le jour où tu me connaîtras, t'iras voir l'étoile filante là-haut qui te parlera. Et pourquoi refuser tout ça en bloc? Quoi? Si je vous propose d'aider la police parce que vous m'avez pas l'air d'être des putains de ripoux, pourquoi est-ce que vous refusez? Qui te dit qu'on est des ripoux? Mais attends, t'es en train de me faire du chantage? D'où tu me fais du chantage? Non, justement, je vous dis que vous êtes pas des ripoux. Je vous dis que vous en avez pas l'air, en tout cas. Je t'ai jamais dit qu'on était des ripoux. Je t'ai jamais dit qu'on était des ripoux, non? Ouais, mais moi j'ai dit qu'il y avait tout un tas de flics qui étaient des ripoux. Et c'est pour ça que je voulais pas travailler pour eux. Ah bah c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer. Est-ce que tu crois franchement on est des ripoux? Est-ce que tu crois franchement que je récolte quelque chose en échange de ce que je fais? En fait, ce que t'as pas compris, fiston, c'est que je fais mon travail, en fait. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je suis là en train de vous parler. Parce que là, je suis tout seul, j'ai aucune protection. J'ai un petit pistolet de merde dans mon sac qui me servira à rien contre vous tous. Bah la seule chose. Et vous pouvez le prendre, y a pas de soucis. Non, je le prends pas, je te le laisse. J'ai prévenu vos collègues juste avant. Et tout simplement, si je suis là, si je mets ma vie en jeu devant vous, c'est parce que je crois que vous êtes pas des putains de ripoux. Ah bah, c'est pas que tu dois le croire, c'est que tu dois en être sûr, fiston. Et bah justement, c'est pour ça maintenant que je me demande de quel côté vous êtes. Donc si je vous propose. À toi de le deviner. Si je vous propose des renseignements, est-ce que ça vous intéresserait? Bah écoute, prouve-moi que je peux avoir confiance en toi et on en rediscutera plus tard. On fait comme ça? Ça marche, mais justement, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Ah bah, à toi de chercher.
Allez, à plus tard. D'accord. Alors, parce qu'à part vous donner des chambres et des trucs comme ça, je sais pas si ce sera bien rentable pour vous. On compte sur toi pour garder la vidéo pour toi, bien évidemment. Bien sûr. Merde, pourquoi je suis ressorti, moi. Bon, fiston, prouve-moi. Prouve-moi. Vous avez besoin. Non, t'inquiète pas, je te retrouvais, j'ai pas besoin de ça. Allez, chien, quand j'aurai des infos. Les gars, on bouge. A plus. Chiron, école. Merde, j'étais avec qui à la base? Merde. Avec nous. Non, t'étais avec nous. Ah ouais? Parce que t'étais. Parce qu'ils ont été te chercher et que j'étais en train de discuter avec eux. Allez, on se casse. Bah, lui, s'il cause problème, on l'élimine. Ouais, mais le problème, comme. Mais c'est ce qui me fait marrer, c'est qu'en gros. Apparemment, son frère est entré à la BA et il l'a jamais vu sortir, il a entendu un gros boom. Mais moi, je le dis, je fais. Bah, et alors? Nous on l'a délivré au Marshall, on n'a pas eu d'informations, est-ce que vous avez la moindre preuve de ce que vous avancez? Bah non, bah voilà. Vous êtes son frère, je sais pas comment vous le savez, et ouais, moi je l'ai vu rentrer, c'est tout ce que je cherche. Ouais bah une. Ce qui m'intéresse même de savoir c'est comment il a fait pour le voir rentrer, parce qu'il me semblait qu'ils avaient pas de GPS. Puis comment il s'appelle? Et aussi il a la... Merde. Il dit qu'il a donné ça à un autre de ses frères, ou enfin il a dit qu'il a donné ça à son frère là, la vidéo. Ouais. Lui, je fais moi ton frère. Pas de soucis, Twitch. Moi, je veux le voir. Bah, ouais. Là, son frère, si jamais il nous pose problème entre soit lui, soit son frère, bah, on est dans la merde. C'est ça. Il veut nous faire chier, en fait. Bah, il a nos voix, il a nos visages. Bah, ouais, bah, on va le laisser, on va lui laisser une chance. Bah, si t'as des questions, Twitch, n'hésite pas à les mettre sur, sur le chat. Hein. Tout, quasiment la totalité des spectateurs sont de ALF, sauf certains. Qui ne comprennent pas le RP. Tu sais me redire le nom de ton arme HK417. De Sierra 3, j'ai perdu Yankee, je suis tout seul dans mon rêve. Attends, je te raconte des conneries. HK416 A5. Il va revenir. Test en patrouille avec qui là, je suis avec le Jeff. Si, non, vous êtes à combien là dans les voitures? Je suis tout seul, moi, ils sont deux derrière. On est deux sinon. Salut Fanatic, comment ça va? A new follower. Salut Negra, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires et sur YouTube pour revoir les games et les gameplays. Merci à toi et bienvenue parmi nous. Et si t'arrives pas à monter, il va y avoir un problème. Ah, il faut qu'il... Ouais, il faut j'ai que... Descende ton VL et passe en conducteur. Tu m'as demandé ça en RP ou pas? Je peux pas monter. Hein? Bon, je disais, je sais pas ce qu'il avait. Je sais pas ce qu'il avait, lui, à s'exciter, là. Je comprends pas. C'est bon, c'est bon. C'est pas grave. Il défend son opinion, c'est normal. Enfin, il est pas du serveur, il peut pas comprendre, c'est normal. Faut m'expliquer gentiment, les gars. Faut rester poli, quand même. Il y aura toujours des mécontents. Il était pas mécontent. Oui, on va dire. Bon, est-ce qu'on aurait pas des... du nouveau, tiens, Dédé, sur ce truc-là, là, de l'entreprise de savon, au niveau de la BP? Non, j'ai pas de nouveau. J'étais un petit peu d'œil, voir ce que c'est. Voir s'il y a des gens. Bah ouais. Là, on va aller checker, voir si leur fameuse entreprise de savon, là, elle aurait besoin d'aide pour le refacement de la façade. Ah oui. Et vous civil comme d'hab. C'est à la BP déjà. Ouais. Ouais, donc comme je disais, pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, j'ai préparé quelque chose sur le serveur RP, roleplay, ALF, style ALF. Une chose que j'ai pas vu encore, ou peut-être pas suffisamment sur d'autres serveurs. J'ai mis en place un exemple roleplay de ce que ALF souhaite, pas moi. ALF, je répète. Les directives que je donne ne sont pas de moi. Ils sont du fondateur, du patron. Et moi, je ne suis qu'un sbire du... C'est ici, c'est ça, là. T'es sûr que c'est ici? Je sais pas, on m'a dit BP, donc... C'est ça, la BP, non? Ouais. C'est ça, là, attends, je vais voir la commune. Donc du coup, je vous ai préparé quelque chose qui va faire jouer les civils, les rebelles, les policiers, la sécurité, ça va faire jouer tout le monde. Trouvez-moi des gens là, savoir si quelqu'un ou pas là, sinon l'école est en train de chercher.
Non mais nec, ils sont dans un entrepôt, c'est impossible que ce soit dans une BP. Ça respectera les règles à LF. Un entrepôt, vous avez le nom du propriétaire ou quelque chose? Et comme disait Jésus tout à l'heure, certes, ALF n'a peut-être pas... On m'a juste informé que c'était vers la BP, mais c'est tout, quoi. Mais on est full tous les soirs. On a déjà relevé les noms des gens qui ont leur entrepôt ici? Ah, fille, ouais. Ouais, pas le propriétaire de l'entrepôt, mais... Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Okay. Donc, je suis en état de préparatif. Je pense que ça va sortir fin de semaine, début de la semaine prochaine. Donc, je vais jouer double jeu, en fait. Je vais jouer deux personnages. De la police... Altis, colonel, et j'ai pas encore trouvé le nom RP. Du coup, on va au garage. De ce que je vous ai concocté. Donc, je vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir sur les lives petit à petit qu'est-ce que c'est, pourquoi je dis ça et où je veux en venir. Voilà, tout simplement. Pas Dédé. Ouais. J'allais venir, merde, on l'entend plus. Ah, si, je suis en train de parler. Ah, ouais. J'étais en train de parler. Personne à la BP et on a vu personne aux alentours. Je sais pas c'est quel est, c'est ton bruit de savon là, mais. Et on attend. On attend. Qui c'est? Casquette. Mais mettez à jour vite fait vos points sur carte là, ils sont pas. Si, c'est bon, ils sont à jour. J'arrive. Pas cher. Ouais, vous voulez mettre plus que 10 000? Vous voulez mettre plus de 10 000? Tiens, Nick, on voit un message à la oil. Ouais. On va aller vers la oil. On va chercher, on va voir si on peut pas récupérer leur texte. Tiens, vous êtes bien ici? Ouais. Ah, chef. Ah, je me pose, j'arrive. Merci. Tu montes avec Apple. Ah merde, j'ai pas vu qu'il était pas posé lui. Il est long à se poser, merde. Oui. A new follower. Salut Étienne, bienvenue à toi Étienne. Bienvenue dans parmi nous. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour les jeux intra-communautaires sur LOL, SCS, Apex, R6 et tout ça. Et sur YouTube pour voir les lives que tu as envie de revoir ou que tu as raté. Point d'exclamation YouTube, point d'exclamation Discord. Merci Étienne, bienvenue à toi et bienvenue parmi nous. Alors. Pourquoi je suis encore vert? Ça, c'est encore mon fond vert qui déconne. Vous voyez? Quand je suis comme ça. Hop! Hop, et là, ça ne fait pas. Et là, mes yeux. Est-ce que tu crois que ton fond vert peut déconner avec ma voiture? Non, c'est l'éclairage qui va avec le fond. Du coup, salut à tous, Sira. Oh merde. Salut. T'aurais bien l'air pas là, oui. Attends. Te gêne, prends mes idées. Mais j'entends pas. Du coup, on part sur quoi là? On va voir la rue. C'est bien prêt. Jeff, t'avais pu choper une identité des deux bikers là qu'on avait juste avant la tempête? Maintenant que je l'ai pas du tout. Eh bien, t'as eu de la chance, j'ai eu le temps de relever les plaques. Ils étaient armés. Est-ce que t'en fous, ouais? Pour info. Ah je vais pouvoir me... Ici, là, tu parles? Ah, il m'avait laissé entendre qu'il était, bah non, parce que... qu'il était bien équipé. Avec tous les subs, au mois bien de... équipé, donc, ne pas dire... sont payés au mois de juillet. Disons qu'il m'a dit... Et tous les bits, parce qu'il faut mettre les bits dedans aussi. Sinon, je serais obligé de te vider. Il n'y en a pas pour autant que vous compensez. Je vais vous dire... Ouais, bah, c'est rigolo. Salut, le taureau fâché, comment ça va? Bienvenue ce soir, bienvenue à tous. Une réponse ou pas, Nick? Juste Spring, j'ai vu sur tes redifs que j'ai suivi, il y avait une histoire de taupe, c'était qui du coup? Eh bien, on ne sait pas, en fait, qui c'était. Voilà, on ne sait pas du tout qui c'était. Parce que du coup, le gros staff, parce que je ne suis qu'administrateur, le gros staff a décidé de mettre une règle que le repo était interdit. Donc du coup, on n'a pas pu... on n'a pas pu la mettre en place parce qu'en fait la règle était en test et ils se sont rendu compte que la règle était très mal utilisée par les joueurs, donc elle a été tout simplement enlevée et depuis on n'a plus de problème de taupe.
Maintenant, on a un problème de gunfight. Très joli mur, très joli mur. On va transformer l'image de Aleph en l'image Total Serious RP. Voilà. Et c'est pas gagné. Il y a beaucoup, beaucoup de. Voilà, mon petit Étienne. Sinon, les gars, non ? Oh là ! Bonjour, monsieur ! Oh, le beau travail de Portugal, là, de paysagiste. Oh là là, avec la piscine et tout, là, c'est magnifique. Oh là là, l'aquarium. Oh là là, c'est super travail. Super le travail. Oh là 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 là. Ça, c'est entreprise Dédé qui a fait ça. Très, très. Je connais des voitures qui sont déjà tombées dedans. Moi aussi. Excellent, excellent. Eh, hey, toi qui mets pas le nez dans les taxes. Pourquoi tu mets pas le nez dans les taxes? Toi pas mettre le nez dans les taxes. Toi pas parler doucement, hein. Toi pas intelligent, hein. Moi avoir tout entendu. Si c'est pour les taxes, monsieur. Patron, pas là. Réagir comme ça. Bah si, moi réagir comme ça parce que moi entendre ce que toi dire, donc ça peut être dangereux pour entreprise à toi. Ah oui, mais comment dire, moi j'ai pas accès au taxes. Bah, mais patron, il est là ou pas là? Est-ce que le patron est là ou pas là? PDG, il est pas là. Responsable. Responsable qui a clé du coffre. RH, comptable, tout. Tout avoir. Pas obligé de prendre votre accent russe, monsieur. Pas vous aurez l'argent. Non mais ça va pas être ma réponse. Non mais c'est quoi dans cette entreprise là, ils sont débiles ou comment ça se passe? Apparemment. Mais qu'il a peur, il fuit. Ouais, toi pas très choc toi. Excusez-moi. Partout, et il brasse du vent, et il casse le vent, et il chie les gens. Monsieur, déjà je suis bien gentil avec vous, dès que vous pouvez un peu changer de comportement, je suis bien gentil avec vous, j'essaie de trouver un responsable qui a accès aux taxes. Cours, trouve-moi un responsable s'il te plaît. Toi, trouvez-moi un responsable s'il te plaît. Allez. Ah, comptable. Bonjour, comptable. Comment ça va, comptable? Bon, pas très content de toi. Toi, déposer plainte, toi pas bien, toi pas intelligent. Pourtant, monsieur Kovenko, venir nous voir et puis nous. Si tu peux leur demander, en même temps qu'ils prennent le texte, je vais mieux réagir la prochaine fois. On va avoir entendu ce que toi dire. Ah, me dire que je suis pas intelligent tout ça parce que je peux pas donner les taxes, il faut arrêter de zoom. Non mais toi fou. Monsieur, il me semble que je vous connais un peu quand même. Ah bah. Plus gentil que ça normalement. Mais nous gentils, c'est vos employés pas gentils oui, avec nous. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, monsieur? Bah très mal parlé à nous. Ah bon? Comment bah, ça oui. Qu'est-ce qu'ils vous nous ont dit, ils nous ont traités de voleurs. Ah oui. Nous c'est voleurs, cool. Nous escrocs, nous pourritours. Nous, pas respectueux, alors que eux, traitez-nous de salauds. Mais pas content, moi. Il y a juste et 10 voilà. Millions. Franchement, 10 millions, ça va. C'est pas comme les autres fois, il y avait 25 millions. Ah bah, vous bénéfices, vous payez, normal. Par contre, oui. Moi, pas très content de comptable. Comptable, pas sérieux. Comptable, pas sérieux. On peut aller dans votre bureau. En fait, si vous voulez... Ah, allons, dans le boulot, à vous. Champagne, whisky, allez. Si vous voulez, en fait, les comptables n'ont pas le droit, je crois, de donner ouais, des textes. Je sais, je suis au courant. Non. Oui. Ah, PDG, ah bah super, non, moi on discute avec PDG, toi. Juste DG, non. Ah bah, peut-être pas plus mal, déjà gros poste à responsabilité ça. Gros poste à responsabilité ça. Oula, moi discute. Ouais, moi discuter avec toi, allez, venez, viens. Du coup, c'est super votre carte s'il vous plaît. Pas votre carte, Lucie. Lui s'appelle beau t-shirt Altis. M'a beaucoup aimé tes t-shirts à toi. Ça travaille portugais, ça travaille portugais. Ouais, ça portugais. Toi faire le moi, ciment et moi faire les fontaines. Made in portugais. Ah si, j'arrive pas. Ouais, je sais. Mais en fait, les gars, on a un shop très très limité en fait. C'est ça. Moi, j'aimerais bien changer plein de choses, mais je peux pas en fait parce que je suis limité au niveau du shop en fait. Je prends ce que j'ai en fait. J'ai pas de choix, on est très limité en fait.
Sinon, Ok. J'ai une question. Aurel Lansky, ça te dit. Alors, oui, ça me dit quelque chose. Effectivement. Ça me dit quelque chose. PDG, où être PDG? Oula. Écoutez. Après, moi, je procéderai à votre. Lui être lent. D'accord. Ah, bah, lui, directeur général, lui, l'habitude de rien faire. D'accord. Je dois aller où, du coup, monsieur? Pourquoi toi, couché? Toi, homme facile. Bon, à votre Ruel. Allez, nous monter bureau. Nous monter bureau, lui monter après. Oh, ouais. Dis-toi pas monter bureau, nous revenir te chercher plus tard. Après, c'est ça, normal. Ça, entreprise à nous, hein. On se la joue Béré Costard et après, on la jouera autrement. Toi, pas bon. Dédé, fais attention, t'as pas tes codes vocales coupés. Oh, toi, ta gueule. Toujours, toujours, vrai plaisir de parler à toi. Toujours un vrai plaisir. Pas dégager bâtiment. Je peux pas, Omega. Nous avons pas accès. Vous pas payer taxes, bâtiment nous. Ah, Monsieur Jawa, écoutez, vous montez grade en plus de vous, maintenant directeur général. Ah bah comme avant, ça a pas changé. Ah, ça a pas changé? Bah non. Ah d'accord. Tony, y a pas moyen de faire quelque chose, parce que vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bien, c'est bien drôle deux secondes, mais là... Et puis ce qu'il a, lui? Ils sont en recrutement encore ou pas, non, c'est bon. Voyez, ah, mais... voyez, employé à vous, pas gentil avec nous, hein. Quoi? Toi avoir le problème avec nous? Toi pas ah aimer nous toi hein? Toi pas aimer nous. Vous pouvez éviter le fait de bloquer comme ça le bâtiment ça? Excuse-moi mais toi petit employé, moi pas discuter avec toi en fait. Voilà, ok. Ah bah je suis bah lui pas gentil, moi pas gentil. On va pas parler avec Grand Stroum. Non monsieur par contre le bureau il est tout en haut hein. Ouais, ah c'est vrai. Ça a changé. Ouais, ça a changé. On a le privilège d'aller sur la terrasse. Ah, super entreprise, hein. Allez-y, monsieur. Vous parlez à moi? Non, non, monsieur, il monte pas. Ah non, mais il a pas le temps, là. Le monsieur, il est avec nous. Cassez pas la gueule, par contre, hein. À moi? Vas-y, vas-y, monte. Est-ce que je prends votre carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Fais les gars du col. On reste là? On va faire les gars du col. Oula, oula, joli boulot. Oh oui, boulot sous tes lasses, en plus. Ah, bureau sous terrasse. Oh, sympa. Oh là là, sympa. Avec. Ah ouais, joli, joli. Avec fontaine et tout ça. Toi pas emmerdé hein. Oh la vache. Ça va. À part parler moi des fois quand il chie, mais sinon. Ouais. Bah, à part employé pas très gentil, mais sinon. Tac. De voir moi taxe cette semaine et semaine dernière. Ça oui. Pas payer moi 10 millions. Ah. C'est vrai, c'est 10 millions. Mais vous voulez pas parler d'autre chose? Ah. Ouais. Ah, ouais. Je vais monter dans le bureau. Avec Marcelo, ouais, avec, bah, avec Costas, ouais. Non, ça peut être problème. Ouais, le problème c'est que nous devoir venir tous les deux jours. C'est bah moi je pour ouais, je vois pas pourquoi. Moi, casser ta tête si tu vois pas présent plus souvent. Non, alors, moi, avoir. Assis-toi, toi, j'avoue, assis-toi à côté de moi. Je dis. Assis-toi à côté de moi. Que votre PDG ou les personnes qui ont accès au compte, pas assez présentes. Vous voyez là ma petite caméra sur la tête? Je ferai un plaisir de leur faire voir, d'accord? Ok. Si vous pas payez taxes prochaine semaine, moi venez ici construire le bordel. Non, en fait, je t'explique, j'avoue. Non, bah, on va arrêter nos conneries. Là, je suis en voix faible. Ouais. Ok, je vais parler doucement. Là-bas. Écoute, mon petit Jawa, je vous aime bien ici. Vous êtes sympathique. Bon, tes employés, je pense qu'ils ont oublié qu'ils étaient employés d'une entreprise et pas policiers comme nous. Tu sais très bien que nous, là, tu sais comment on bosse, nous. Ah oui. Voilà. Comme des policiers, quoi. Écoute, j'ai dans mon bureau quelques photographies de cette entreprise avec des rebelles armés jusqu'au cou, en train de parler dans cette enceinte et de travailler pour vous. C'est simple, je pense pas que ton grand patron et toi-même souhaitez être au chômage dans quelques jours. Maintenant, absolument pas. Voilà, donc, c'est simple. Soit vous faites votre boulot correctement, soit je vous fais fermer et je vous retrouve à Kavala à ramasser des pêches. Est-ce que c'est compris? Rappelons, monsieur Jawa, que voilà. Nous sommes arrivés dans VL. Tu vois ce que je veux dire, mon petit Jawa? Je vous kiffe, je vous aime bien. Vous êtes pas méchants, les patrons, je vous aime bien, les patrons. D'accord? Mais c'est le même discours que j'ai avec toutes les entreprises, en fait.
Je suis pas un pourri, je suis pas ripou, je suis un flic qui fait son travail au mieux. Crois-moi que dans mon petit bureau, j'ai quelques petites photos compromettantes dans cette entreprise, me permettant juste à passer un coup de fil au ministre de venir en force, fermer et virer tout le monde. C'est pas votre but. Après, ça dépend, ces photos datent de quand ? Elles datent d'il y a pas longtemps, et j'en ai tous les jours. Ok ? Ok, ça, je vois. Voilà, donc tu vois de quoi je parle en fait, mon petit Java. Oui, je vois totalement. Ok, donc ça, c'est ma carte maîtresse. Si je vois que vous me la... Si vous voyez, si je vois que c'est pas très sérieux, ou si je vois que vous foutez clairement de ma gueule dans cette entreprise, je mets un petit cadenas et c'est seul moi qui aura la clé. Ok ? D'accord. Voilà. Vois, écoutez, la prochaine fois que vous viendrez récupérer le taxe, il n'y aura aucune photo compromettante, d'accord ? Ah non, mais les photos compromettantes, c'est moi qui les ai. Oui, mais il n'y aura pas mais je les sors. Mais je les sortirai pas. D'accord, c'est bien gentil. Ok ? Parce que tu vois, t'as pas envie que ta femme a mort de faim. Non. T'as pas envie que tes employés travaillent pour rien. Bah moi c'est pareil, toi tes taxes en fait ça paye la sécurité civile, ça paye la police. Donc si nous on n'a pas de salaire, c'est nos femmes qui crèvent de faim. Et tu sais ce que ça fait quand il y a famine ? On est un peu sur les dents. Et quand on est sur les dents, ben moi j'ai juste à ouvrir un tiroir et prendre mon téléphone de l'autre main et téléphoner. Et là, on inverse les rôles. D'accord, je vois. Voilà. Bon, je te laisse gérer avec mon comptable, parce que c'est lui le patron. Et un conseil, tes employés, apprends-leur la politesse. Ah ouais. Ouais, je verrai tout ça. Non, merci Jawa. Bon allez, bisous quand même. Et à bientôt. Ouais, bisous. Bon, agent de sécurité muet, allez, des bisous. Qu'est-ce que tu fais toi ? Alors toi, on te forme, on te donne des armes et tu montes là-haut et tu nous surveilles. Ok, d'accord. Super. Faut vraiment que vous fassiez quelque chose, les agents de sécurité. Psst. Et l'agent. Psst. Coucou Adrien, comment ça va ? Bienvenue à toi, merci. J'ai eu ton message, hein. Excuse-moi. Ah ! Le grand, le plus beau. Regarde. Vous êtes, monsieur ? Monsieur ? Je crois qu'il en a rien à tirer. Ouais. Je me suis fait ban il y a 3 mois pour avoir pissé sur mon pote. Vous êtes avec moi. Et c'est être avec un Marcelo Copperfield. Vous avez pris le camion ? Bah oui, je t'ai répondu, mais j'ai vu que t'étais déco, donc je t'ai pas répondu en fait. Salut Taiko, comment tu vas ? Bienvenue. Tu fais des allers-retours ? Eh bah écoute, Taureau, tu fais ta demande de déban, tout simplement. Ah, je sais pas si j'ai c'est pas moi qui gère ça. Les Portugais qui nous construisent celui-là. Ouais. Ah, soupa Portugal. Portugal, ouais. Bon travailleur. Hein. Moi, beaucoup aimé Fontaine devant, en fait. Beaucoup. Ouais. Ouais, Dédé, bien travaillé. Donc, d'ailleurs, Dédé n'a pas été payé hein, pour ça. Rassure les amis, ne vous inquiétez pas. Bien. Ouais. C'est rassure. Ah, ouais, ouais. Beaucoup travail, beaucoup payé. Hein. Beaucoup aimé, moi. Bouge parce que là, c'est bordel. Ah, ouais, bordel ici. Hein. Pas gros bordel, même. Ah, oui. Voilà. Alors. Ma gueule, oui. Monsieur Jawa est trop occupé. Il a dit quoi ? Oui. Alors. Ah, il avait l'air de me refaire bizarre. Oh, bon, tant pis. Il a dit quoi ? Ouais, il est mort. Non, je pense que c'était pas dans un but. Bon, bah c'est bien. Nous avons bien travaillé dans cette entreprise, nous avons gagné pas mal d'argent. Maintenant, on met argent banque. Ok, fais-moi une com longue, s'il te plaît. En voix faible. Et tu dis que... ils sont partis où, les deux en noir, là-bas. Les deux mecs en noir, là-bas, ils ont des gilets pare-balles et des armes dans leur sac à dos. À me faire pareil pour la LCO ou... FFI. Tu veux que j'aille chercher les taxes? Attends, non, annule, c'est bon, en fait, on l'a déjà fait, j'ai rien dit. Bah, il reste à le DC. Dédé, je les chope? Hein? Chope? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? C'est bien, sinon, je les chope, c'est un fou. Ah, non, mais regarde, ils sont juste là. On pourra que vous donner 5 millions. Ça te dérange pas, non? Ah oui, là, il y a un problème. Hein.
Là, il n'y a pas de problème. Quoi, j'en prends, là, je prends un agent avec moi et j'y vais. Non, laisse. J'ai une preuve supplémentaire pour l'entreprise. Comment tu sais? Ça s'appelle être pickpocket, mec. Ah, bien joué. Bon, j'appelle du coup, j'appelle l'unité. Non, laisse. T'as leur nom? Non, j'ai pas leur nom, pas. Excusez-moi, je suis un peu stressé, c'est normal. Je me fasse passer pour un agent de sécurité? Ouais. Non, laisse. Moi pas niquer. Moi pas me faire niquer. Moi vouloir. Bah, il manque la LC et la DC, Jeff. Ah, on vérifiera ça. Pourquoi être époux? Tu peux pas être époux, c'est interdit dans le cerveau. Voilà, les beaux comptes font les beaux amis. Je comprends pas pourquoi tu dis époux. Allez, bonne journée, monsieur Jawa. Ouais, bonne journée, au revoir. Au revoir, Jawa. A bientôt pour Fontaine. Laissez me niquer. Ah! Ah! Ça va pas être mon voiture. Ça va pas être la toi. C'est pour donc vous, c'est pour travailler en tant qu'intermédiaire ou en tant qu'ouvrier, monsieur? Allez, on décolle direct sur la mer. Il a vraiment essayé de me niquer en plus. À droite, va à droite, va à droite, va à droite. À droite, à droite, à droite. À droite, à droite, à droite. Ah ouais, là faut que je range quand même. Vas-y, attends, juste. Salut les filles. Pardon ? Salut les filles. T'as un problème ? Ouais. Ton problème ? Tu crois que tu me fais peur, frère ? Ouais. Non, pas du tout. Si, si. Si, si. Franchement, vous faites rire avec votre barbe là, merde. Exactement. Vous venez, les gars ? Avec vos bérets. Ouais, mais là. Bon ! Félicitations. Attends, ouais, attends, lui, attends, vous foutez de moi, en fait. On va aller régler ça dehors, d'accord? Non, regarde ce qu'on va faire. Police d'Altis, main sur la tête. Vous n'allez rien faire du tout? Bah si, si, vous êtes en état de l'arrestation pour port et d'équipement illégal dans vos sacs à dos. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah si, 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 on est policier. Si, si, on est policier. Allez, hop, 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 hop. Moi j'ai vérifié tout à l'heure, t'as pas entendu la tirette de ton sac tout à l'heure? T'as même dit, attends, je crois que... Bah si, c'était ça en fait. Non, parce que vous avez pas fouillé dans mon sac. Bah ouais. Allez, les mains sur la tête. Mains sur la tête, vous êtes dans une entreprise civile avec un équipement illégal dans vos sacs à dos, vous êtes en état de l'arrestation. Mains sur la tête, dernière fois. Allez, c'est parti. Allez, mains sur la tête. Vous avez pas compris les gars, vous avez 50 armes sur la tête là. Au sol, vous êtes en état de l'arrestation. Vous avez le droit de garder de silence, vous avez le droit à un avocat à condition que vous le payez, vous avez le droit à boire et à manger. Voilà. Pour port d'équipement illégal dans un établissement civil. Et comment vous savez que j'ai un équipement illégal dans le sac? Parce que tu l'as dit toi-même, t'as dit tout à l'heure où c'est ton collègue. Ah, je crois que, mais je suis pas sûr. Eh ben si, t'avais bien raison. C'est bien moi qui ai ouvert ton sac tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je veux une preuve, hein, perso. Hein, mais Bah, toi, l'auras, t'inquiète pas, tu l'auras. Tu l'auras ta preuve. Mal parlé et tout. Allez, je suis pas là pour bien parler avec des truands, moi. Allez, c'est parti. Au sol. Ah oui, mais non, mais t'es pas. Tu sais que je passe bien pour un rebelle, mais... Allez, direction la BR. Ouais, c'est quoi l'RVL? Je sais pas. Allez, faites le tour du parking pour les autres unités. C'est quoi leur nom? Je sais pas. Demandez. Celui qui est le... Ouais, je viens. Trouvez-moi. Denis, dis que je m'occupe de voir les voitures qui allaient partir. Il y a les militaires? Non, il n'y a plus de militaires. Il y avait l'armée avant, mais c'est fini. Vous avez pas le camion, justement? Kurt Zwaken et Anderson. Ok, Kurt, c'est celui qui a le camion. Michel Anderson. Vous trouvez EVL, la nuit? Je cherche. Ah, y'a rien dans le camion, du coup. Oui, on prend EVL pour aller la ramener à la BA, hein. Non? Le camion aussi? Ah, on va pas les laisser là. Le camion, à qui ça? C'est leur camion?
Ouais, ouais. Bon, appelez le GIA en attendant. Non, c'est pas lui, Dédé. Je l'ai le camion. Il y a quelque chose dedans ? Non, RAS. Ah bah, vous le laissez dans l'entreprise. Ok. Je dis à venir à la BR ? Ouais, tu dis à la BR. Du coup, je vais dans l'entreprise ou dans l'entreprise ? Attends, j'ai les petits bonhommes avec moi là qui se claquent sur nous parce qu'on est amené au chori, je sais pas quoi, c'est passé quoi ? Je sais pas. Ok, bah du coup, je patrouille leur VL. Ils avaient juste le camion, je pense, à mon avis. Ah, il répond que direction VL. Pourquoi les gens viennent avec de l'équipement illégal dans les entreprises ? J'ai demandé une preuve comme quoi on a bien regardé dans son sac. Pourquoi est-ce qu'il le crie haut et fort, quoi ? Bah, c'est ça en fait. Dis-lui petit doigt de patron. N'importe quoi. Surtout qu'ils savent pas garder leur voix un peu basse et ils feraient malin en disant qu'ils ont de l'équipement donc. En plus. Mais une chose qui me tarote, c'est que Bibi m'a dit soi, les agents de sécurité. Yo, mort taxi, comment ça va ? Normalement. Ma fille. Ouais, alors bah oui. Donc ça va être encore une belle preuve au cas où l'entreprise nous fait un peu de crasse, quoi. Ouais. Comment ça va, mort taxi ? Bienvenue, merci d'être là. Comme tous les jours, d'ailleurs, tu es toujours là, tous les jours. Mon petit Théo. Juste pas se faire choper par des dés. Ouais, c'est juste ouais, ça, en fait. En plus, j'ai fait un rappel à l'ordre là-dessus. À leurs agents de sécu, à la OIL, là. Donc j'irai leur refaire un rappel. Merci. En fait, les gens croient qu'on est des bisounours. On leur fera pas un rappel. Vous prenez la mauvaise route par contre, casque. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens ils disent qu'on est nos RP, mais en fait, ils ont le seum de se faire arrêter en fait. Ils se mettraient sur leur garde si tu leur fais un rappel. Donc, autant les laisser faire comme ils veulent et après, si nous c'est vrai, Téco. Vous êtes beaucoup à être là tous les jours. C'est vrai. Exact. Je donne des noms au fur et à mesure, je vois sur le chat en fait, c'est pour ça. Du coup, si je suis indique, mais je rentre peut-être dans la police, ça sert ou pas ? Bah, si tu rentres dans la police pour faire le repo, tu peux pas. Si tu fais l'indique et tu veux rentrer dans la police après, ça se peut. Hein. De toute façon, il va y avoir de la place, il y a plein de démissions. Donc, voilà, bah après, il faut savoir que c'est quand tu parles de la police, bah, tu reviens pas en fait. C'est la nouvelle politique du nouveau général. Et je vais vous montrer comment on se la joue en tant que rebelle. Je suis au dehors, mec. Je suis. Ah, tu suis ? Bon, bah écoute. Donc ça sert à rien de rentrer dans la police vu que Odor est parti. Parce qu'Odor il n'est plus policier, je crois. Hein. Il est parti de la police. Non, il est parti. Ouais, il est parti de la police, Odor. Ah, tu sais. Il est parti. Donc, c'est leur choix. Leur choix est respectable. Enfin, j'ai appris ce matin pourquoi. Je respecte leur choix. Info. Stop spam. Info spam radio. Qu'est-ce qui se passe là? Vous écoutez quelle radio là ? Canal 6. Mais il y a quoi sur Canal 6 ? Il y a quelqu'un qui appuie qu'il appuie en boucle sur sa radio. Ah ! Non mais c'est moi. Bibi, non ? Ah ok. C'est toi ? Bah oui. C'est toi qui se bave là ? Ah c'est pas possible. Je rêve. Regarde. Vous voulez apprendre premier flic ? Bah maintenant vous l'avez. Oui, bonjour ! Oh là ! Tu vois là, t'as le. Bon, vous en occupez des gars là ? Ah, puis on s'en charge.
N'oubliez pas d'appeler l'OGA pour les ramener. Ah, c'est prévenu, mais il n'y a pas de réponse. Ah, bah, comme d'habitude. Allez, je prends quelques morphines. N'oublie pas le petit bouton liste d'attente. Clin d'œil, clin d'œil. Changer d'avis. Si vous pouvez acheter les barrières plus vite. Ah, Amino, à chaque fois que je te vois, je vois une crevette. Tes amis, la pute tombe derrière. Ou plutôt, une grande basse. C'est pas toi, Lily, la capuche sur la. Il s'est téléporté. Je te le mets à part, casquette, celui-là. Bah, ouais, moi, je sais pas ce qu'il faut leur mettre. Hein. T'es vieux, t'es chinois et t'es con. Bah, ils ont regardé s'ils ont de l'équipement illégal et. Non. Alors voilà, le shop civil que j'ai. Tu vois ? Shop civil ? Voilà. Voilà le shop civil que j'ai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le shop civil ? Salut ! Et tu me pointes ton flingue sur ma tête là ? Non, non, je sais pas que vous avez parlé ici, j'en ai aucune idée, je suis vraiment désolé. Hein. Rentre là-dedans. Oula, mets les mains sur la tête. Arrête tes conneries. Tu veux que je te menotte et je mette une charge dans la pièce? Ah non, je vous jure que non, mais je pensais pas que vous allez apparaître ici, je vous garantis. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Nick, tu ressembles à Odor. Je sais, je suis en remplaçant officiel. Et Melnik, tu ressembles à Odor. Yo Stivers. Je sais. Bon, ça va, ça roule les lapins. Ça va. T'as vu Riol. Je nous fais honneur. Riol Mathieu Riol. Mathieu Riol. Beaucoup trop de recul, faut se mettre à semi. Mathieu Riol. Au corps à corps, elle pue la merde. Mathieu Riol. Ok. C'est normal qu'il est figé, il a peur de moi ou quoi ça se passe? Il va falloir de l'aide juste pour retirer leurs équipements, c'est y'a problème là avec le cerveau. Ah mais il retire pas depuis le truc, ouvre le sac directement et. Let's go, hein. Bah vas-y, mets-moi avant, Riol. Hein? Ouais. Oh bah monsieur, je suis désolé, mais des flics qui viennent et me disent salut les filles. Ok, parfait. Bon, c'est un petit manque de respect. Excusez-moi, messieurs, mais vous m'avez oublié dehors, en fait. Ah oui. Arrive-toi. Écoute, voilà. Il y a des gens dehors, tu vois pas. Alors, on va. La carte d'identité là, je vais demander de me regarder. On est 15 dans un casque. Retournez-vous. Retournez-vous. La carte d'identité. Là, excuse-moi. Aïe, c'est trop dur. Alors, tac. Promettez-moi que je vais pas en prison. Ah bah le jet est arrivé. Je vais m'occuper de vous à côté. Ouais, je me suis quand même rendu monsieur, hein, j'ai pas fait le fou. Hein. Alors c'est parti, bougez pas. C'est Steven Spotebits. Alors je vais vous démenoter, vous ne prenez pas votre arme bien évidemment monsieur. Bah bien sûr. Votre carte d'identité. Évidemment vous ne prenez pas votre arme. Et voilà. Ah bah dis donc. Pareil. On va faire des pales. Dites-le à trouver vos papiers, monsieur. Récupère mon sac, monsieur. Ah, excusez-moi. Jean-Michel de la boîte à cul. C'est ça. Ah, on a trouvé un monsieur qui travaille à la boîte à cul. Tiens, qui c'est qui était intéressé? Il travaille à la boîte à cul. Alors... Ouais, moi, je suis le patron de la boîte à cul, oui. Tout à fait. Patron de la boîte à cul. Bah, tiens, entretiens-le. Je te laisse t'entretenir. Ouais, avec lui. Ok. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que cette fameuse boîte à cul. Tu parles très fort. C'est un endroit où on crée des liens. My bad. Okay. Quel style de lien? Bah, des liens amicaux. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr. Bon, vu que vous êtes patron de la boîte à cul, vous êtes un VIP ici. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va ou quoi? Ça va. T'es vraiment pas beau comme ça. Pardon, quoi? Pardon. Quoi? Ah non, mais j'ai cru que je m'étais fait un peu insulter dans le dos. Ah non, pas du tout. Ah non, mais monsieur, vous allez où là? Par contre, t'as ton silencieux en bas. Oui, effectivement. Monsieur, revenez ici. Quoi? Vous êtes le patron de la boîte à cul? Oui. Vous payez taxes du coup pour le ministre?
Demandez monsieur Dimmers. Ah, qui est ce monsieur Dimmers? Général Dimmers, où est-il? Et le ministre? Ouais, bonjour monsieur le ministre. Bon, deux individus full équipement dans une entreprise, c'est moyen quand même. Ah bah voilà. Tiens, du coup les gars, attendez. Oh là, ok, d'accord. Bonne journée. Ouais, bah j'ai refait tout la liste des amendes. Donc, si vous jetez un coup d'œil, il y a tout, il y a eu les lunettes. Marie. Les messieurs, bon, de toute façon, vous inquiétez pas, moi j'ai ma GoPro aussi. Si tu pourras me sortir une petite photo de... Alors, le mec qui a déposé plainte contre la Sierra avec sa vidéo là, il m'a fait du chantage. Moi je pourrais le faire, évidemment. Moi... Il retire sa plainte s'il travaille pour nous. Je fais quoi? Ok, nickel. Vas-y, j'ai pas de soucis, ouais. C'est n'importe quoi. C'est bien grave. Donc, je lui ai dit ok. Bon, j'ai demandé à prendre des photos. Hein. Il va me sortir les photos, comme ça on aura une petite preuve pour la huile. Mais ils nous disent que c'est pas vrai. C'est Rico. Eh, bienvenue à toi, Rico. Salut. Lui redonne pas celui-là. En pas toi. Ah Rico, c'est toi. Bon, on se casse ou quoi? C'était la fin des arts. Bon les gars, on va changer de style. Allez. D'accord. Bah on est grillé avec les bonnes couleurs maintenant, c'est bon. Mais non, ça devient petit. Ah non. Les Pinky. Oh, des frères Pinky est décédé et on peut plus. Ah merde, putain, du coup, mes habits et... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oui, bah justement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je viens de tilter que j'ai toujours 10 millions. 10 millions? Ah merde, je suis trompé. Ça. On va prendre ça. On sera bien en paysan. Aidez, il y en a un qui me saoule. Qui? Avec ça. Donc on s'habille en paysan. Et moi avoir un gros problème. Ok. Ah. Monsieur Kovenko me prendre la tête. Encore. Parce que les on vient de me voler 15 millions en entreprise et vous inventez que je traite avec des rebelles pour me faire fermer. Bon jeu. Il me saoule. Il me saoule. Ça Monsieur Kovenko. De la LCO? Non, la OIL. Tu lui dis, on vient d'interpeller deux individus full armés dans votre entreprise. Et on vous a rien dit? Non, mais les mecs, c'est pas la boîte à... Enfin bref, je sais pas, merde, putain, j'ai une entreprise, je fais attention, quoi, j'ai des agents de sécurité. Non, vous êtes pas d'accord? Ah non. Pardon. Ah bon, d'accord, bah je dis de la merde là. Dédé, y'a un mec qui dit que t'as pas refouillé dans son sac. Qui ça? Bah le mec à qui t'as fouillé dans son sac. D'accord. J'ai pas fouillé, la tire était ouverte. Ah. Ok. De Insta. Oui. Apple, je te laisse juste transmettre au monsieur. Attendez, excusez-moi, j'avais pas compris. Avec le gilet. J'ai dit la son sac à dos était ouvert. Ah. J'ai juste regardé dedans. Oh, si. On change de tenue. Et il a exprimé haut et fort qu'il était équipé avec son copain. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Un casque. Ok. Bon, allez, c'est parti, les gars. Attends, tu t'habilles comment? Paysan. Oh non, mais toi, tu vas. Ah, c'est bon, t'en parles même pas, talon. Un peu dégueulasse comme ça. Je supprime alors. Non mais on n'est pas là pour faire un défilé de mode les gars. On est là pour arrêter des méchants en fait. Ah, je me suis trompé de... Ok, d'accord. Vous êtes trompé les gars, les défilés de mode c'est à la boîte à cuisses ce soir. Yes. Des meufs un peu. Parce que je vais pas dire mais bon. Ou ça où le truc paysan là, je sais pas quoi. Oh, tu prends n'importe quoi qui ressemble à... Voilà, on s'en bat les couilles.
Ah, c'est qui? On prend quoi comme voiture? On va prendre des GMC. Oh, t'es magnifique, un paysan avec un gilet. Non mais ça, ça s'enlève après, c'est bon. Et qui c'est qui est parti? Ah non, on va prendre une Ford Victoria, oui, les gars. Pris de... Vous avez des Ford Victoria ou pas? On banaliser. Après ça, si on les a. Si j'étais moins con, il y aurait pas ce souci, putain. Bah, bonne nuit, mon petit Adrien. C'est reçu, merci d'avoir été là. Tu peux prendre l'appel ou pas? Cowboy, pourrait parler. Sur écoute, Viper. Est-ce que vous pouvez prendre l'appel sur la BP? Gilet énorme. Je peux écraser ce qu'il y a par terre là? J'ai pas de réponse, je pense, pas envie. Ah, vous les avez trouvés où vos trucs Bibi, t'es seul du coup? Moi, bah, j'étais avec Nick, je crois. Affirmatif, mais j'ai plus de véhicule équipé étant donné que l'ancien est parti à la fourrière. Merci mon petit Adrien, c'est sympa ce que tu me fais. C'est sympa, merci. Je me suis rajouté en fait, moi c'est moi qui suis la merde. Attends, t'inquiète. J'ai pris ta place d'ailleurs. Ouais, j'ai vu l'espèce de... Allez, arrêtez, maintenant faut parler comme des paysans. Pardon. Attends. Faut que je prenne un truc dans ma bouche. Alors, j'étais à la ferme. Ouvre-moi ta voiture, John. Ah non, j'ai éclairé. Déjà, les filles. Arrête avec cette sacoche, John, putain. Merci mon petit Stivers. Elle est bien cette putain de sacoche là. Alors les gars, j'étais à la ferme. J'ai pas la place pour mettre mes trucs. Et là, il y a la Ginette. Petit gars. Il y a la Ginette de la ferme d'à côté qui est du style, vous savez, un peu. Il faut plus que tu prennes une voix de gros. Sac que j'ai, moi. Voix de gros. Bon, on se casse, les gars. Ouais, on prend quoi, Bibi, t'as une Victoria? Ouais. Ça prendra une. Normalement, ouais. Qui les deux ML qui prennent? Victoria. Salut Gig, comment ça va? Transmettez. On aura besoin d'un soutien sniper sur base Piangos là, on a des unités réfugiées dans les toits armés. Bien reçu, on se met en position. Sierra, dépêchez-vous, on a besoin de nous sur BP. On passe tous canal 1. Pour information, juste je vous préviens que je décolle après, donc je le finis avec eux. Bon, quelqu'un me cherche des chargeurs de M200 plus, s'il vous plaît. Apple. Il me faut des chargeurs de M200. Chargeurs de M200. Ouais. Oh putain, le bordel que t'as là-dedans. Ouais, je vais prendre des chargeurs. Du coup, casquette, tu vas monter avec toi. Alors j'ai... Oh putain. Pourquoi j'ai pas de chargeur là? Allez, on se dépêche. Putain, je suis là comme une grosse vache. Allez, on se casse. Vous me recevez, Canada? On peut faire un troisième véhicule quand même. Donc je sais pas si Nick Jeff ou Dédé va avec casquette. Ah tu viens d'arriver, allez. Allez les gars, on se dépêche là, Sierra là. Maniez-vous le cul là. Vas-y. T'es dedans toi? Allez, on se casse.
Aïe aïe aïe. De Viper Lead pour tous, faites attention sur la route, apparemment il y aurait des herses qui seraient placées un peu au hasard. Cobra, Dimers. Allez, écoute. Prenez le convoi du coup là de la Oil Enterprise. S'il y a besoin de vous, on vous appellera. La fille, on va envoyer une unité sur la Oil. Là, on est pas très loin de toute façon, ça marche. Ouais, merci. Après, est-ce que vous pensez si je tire au snipe, c'est RP? Tu veux que je Oui. Vous m'en servez les faits, par exemple, on n'a pas de contact avec Cole, ils nous ont envoyé, ils sont allés se réfugier directement dedans, vous avez une négociation avec Cole. On a déjà reçu pour Viper. Ouais, la fille, ouais, faut qu'il soit top primaire, faut qu'il soit pas celui de la voiture qu'on a croisé. Ok, donc pour Viper Alpha, vous allez prendre contact avec eux. Pour information, ils ont mis un 6 au sol plus un demi de merde en hôtel. Je tire pour les unités BP, on peut avoir un rapport de situation, s'il vous plaît. On a cassé sur ça? Sérieux? Allez vous placer en TE, les siens. Je veux de Sierra à Sierra Lead, je veux un TE à, en triangulation sur la BP. Reçu? Affi, affi, on fait ça. Ça vient après, tira deux. Un sud, un plein ouest et un nord. Transmet. On a un VF qui est placé sur la colline juste en dessous de nous, là, sur la zone en cercle. Reçu, bien reçu. Viper Alpha, on va aller sur la négo. Allez, c'est parti. Putain, ma RCU. What? J'ai perdu mon viseur. Y'a un RCU dans la voiture. T'inquiète, j'ai oh, mon. Oh putain, c'est quoi cette voiture de merde? C'est quoi qui la DMS. Ah, la voiture, elle est nulle cette voiture. Par contre, ouais, t'es en train de. T'as les roues qui tournent à gauche. À tous deux docks, on a une PMA sur charge qui a point mis sur carte, elle est en attente. On a reçu pour être. J'ai bien pris pour info la sécurité à la BA. Heureusement que j'ai une DMS. De Viper qui est en train d'entamer une négociation avec eux. Il y a une Hummingbird qui décolle. Calme-moi. La fille. Ouais, c'est avec elle tout à l'heure. Tiens, on dit bien. Allez, écoute. Info sur le cercle des flèches au niveau de l'entrée. Il y a un pet à nous dans son hôtel. C'était pour ça. C'est bien, après c'est. Quelque chose? Lui est tout seul, alors si limite vous pouvez l'intercepter, c'est bon. Bah, c'est parti. Allez. À tous de Rouen, on a une forte focus qui arrive droit sur les BP depuis Forest. À toutes les unités, Ford Focus noir direction BP depuis Forest. Ok. On a quoi très exactement les villes? Bah, je sais pas, on a des Pax qui se sont réfugiés dans la BP. Bon, la BP c'est pas loin de. Ouais. Le Dimmer, je vous donne ça comme info, c'est sûrement ceux qui sont réfugiés dans l'hôtel abandonné la dernière fois. Le véhicule correspond en tout cas. Mais c'est pas sûr non plus.
1527. Ok. C'est reçu. 1671. 1576, 1527. Et... Il y en a un dans la toile plus à droite de la VP. Point bat. C'est mis sur carte. Focus RS Nord, Pierre Gauss, c'est ok, de Sierra Leone. J'ai le vice impact. En plein milieu de Piagos là. Les humains, ils ont quel camouflage là, les Pax? Les 4, là, arrivé sur. Non, ah non. J'en ai en visuel 1, c'est un camouflage. Ok, donc les humains, c'était pas JLB, c'était 500 noirs, c'était un Pax. En sable. Viper, okay. Sur, Viper pour la Sierra. Transmet. Okay. Vous avez eu des personnes disant que c'était pour la Panda ce matin? Affirmatif. C'est OK sur position. Tout se passe bien, y a rien. Casquette de DD. Casquette de DD. Tu prends le pack sur la tour la plus au sud, je prends l'entrée de la BP et le TE plein ouest prend la tour côté gauche de la BP ensuite. C'est bien, prends l'en visuel. Donc 1521. Putain, sous la déconne. Je te vois bouger de droite à gauche. Ouais, ouais, j'ai ma souris qui déconne. Je prends mon bouclier au cas où. T'es vachement loin là. Ouais, non, t'es okay. Ah, là, c'est pas sérieux. Transmettez. Vous avez un véhicule derrière vous. Hé eh. De nous. Ah, je suis des trous, moi, avec mon bouclier. Hein. Il est génial, ce bouclier. Pour avoir un cercle, s'il vous plaît. Je vais sur le cas. Méchant de colis. Ah, je suis essayé de changer de pot. Echo pour Viper Lead. Sur écoute. Fais gaffe dans le bac. Du coup, hein. Là, les personnes en fait sont pas là pour, pour chercher quelconque fight. Tout ce qu'ils veulent en fait, c'est se balader, faire des connaissances. A priori, je leur ai demandé de poser un quart des armes qu'ils ont, armes et équipements. Que à l'issue, je leur ai demandé de ranger tout leur équipement illégal et que je ne veux plus les revoir équipés de la sorte pour le moment. Personne n'a pas l'air en désaccord avec ça, juste elle demande à son équipe et là on voit pour faire la négociation. Alors, je vais mettre quelque chose au clair. Nous sommes policiers, ces personnes sont équipées avec des armes de guerre, représentant donc une grande menace pour des civils. Et donc là, tu es en train de me dire qu'on peut largement tous les maîtriser par la force s'il y a besoin, et tu leur demandes un quart des armes, tu te fous pas un peu de ma gueule quand même. Ils sont, qui sont assez nombreux pour avoir assez de pertes en fait. C'est sur vous, Sierra. Voilà, c'était la sortie de situation bien plus complexe avec très peu, voire pas de pertes. C'est vraiment une réponse que j'attends là. Moi je veux du résultat. Si c'est pour enlever 3 armes à un groupe de 9, ça me sert à rien. Ils sont toujours 6 à pour tuer des civils. Hein. Et au final, ça sert pas à grand chose. Sierra 2, confirmez que vous nous couvrez. Là, ils sont piégés en plus, pas d'échappatoire. C'est reçu, faites en sorte qu'ils ne tentent pas. Proposeur de partir libre et sans les armes, ça serait déjà très bien comme base de négociation. Là, un quart d'arme, franchement, tu baisses ton froc direct. Écho pour Sierra. On s'en voulait là. Vous pouvez lâcher la voiture, on la prend pour vous. Bien pris. Toi, il a pas de temps. Hein. Chopez la bagnole si vous pouvez là. La Sierra 2, on prend la porte focus noire en chasse. C'est...
là j'ai reparlé au personnel, le souci c'est que les collègues a priori voudraient partir en bain de sang. Ah oui, bien sûr, ils veulent perdre leur vie, oui. Vu leur nombre, il ferait mieux de bien réfléchir à leurs conséquences de leurs actes. Tout à fait. Et puisque c'est une menace, tu prends tout d'ailleurs. Je veux toutes les armes. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. En même temps, ils sont blonds. Attends, ils font les malins. Bah ouais, mais ils ont pas compris en fait. BP, on a les sur leur tête, c'est pas RP, les gars, si on tire. C'est pas RP là. Vas-y, regardez, on lâche le véhicule. Il nous éloigne trop de la zone. C'est reçu. Et après, on va dire qu'on n'est pas RP. C'est possible, là, si jamais ils reviennent. Ils n'ont pas leur vie aussi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On n'est pas RP, les gars, merde. Alors, lui, ça part. Hein. Lui qui? Ah, bah, tour de droite, okay, là, il est pas bien. Tous, ils ont transmis que si une un véhicule autre que nous rentre dans la BP, ils y tirent. C'est reçu. Ouais. Attention, c'est une menace à retardement. Hein. Ça. Sierra 3 TE, on est en place, on a un visuel direct sur Impact. Merci. Ok, j'ai toujours une corvette noire. Repart de gang sud BP. Apparemment, ils ont un civil, mais pas IAPP. Pour les Vipers, si jamais ça part en cacahuète, on va laisser Sierra faire son taf, et une fois qu'ils auront fait un peu de nettoyage, on rentrera. On rentre pas de suite dès le début. Ça, c'est bon, ça. C'est intercepté pour les Vipers. Reçu d'écho. Tu crois que c'est reçu, bon. Dragon 2 pour Dragon 1. Quand c'est bon, c'est bon le bac, là faire le plan préventif. Quoi? C'est bien pris en le bac il est bon? Oui, y'a personne. Même sur les collines à droite là? À droite là-bas là? Ouais. Y'a personne, il est trop grand de toute façon. Alors vous avez perdu votre voiture. Enfin, moi je vois pas de voiture, pas de Pax, pas de TE. Ok, la corvette noire, route principale. La Dodge noire, pardon. Du coup, ils ont chopé un civil, c'est ça? Personne qui veut lui répondre ou... Quelqu'un pour l'aider. Merci. Il y a un mec sur le toit d'une tour de la tour armée la plus proche de la LCO. Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu, ouais. Je l'ai en visu. Ok, si tu perds visu, je l'ai en visu aussi. Attends, bouge pas, je fais un truc. Fais gaffe à la corvette noire là, la Dodge noire. On s'en fout celle-là. En fait, je le mets surtout comme ça si jamais il y a un mec qui veut nous tirer de très loin là-bas, il peut pas nous tirer. Et si vous nous tirez, il est obligé d'être prêt. T'as vu la corvette? Elle est passée en route principale. La Dodge, c'est une Dodge. Une Mustang, pardon. Merci. Je suis pour être quand vous investirez la BP. En cas de cas d'attaque, vous faites attention sur la tour entourée, il y a un bouclier. On n'est pas la tour la plus loin, enfin, on n'est pas la zone la plus loin. En ah. Ok, casquette de DD, je te laisse le pack sommet de la tour, la puce de la SO, je veux prendre la tour entrée. C'est bien pris. Vous avez transmis pour l'otage? Pour l'otage? Vous avez reçu pour l'otage? Affi. Apparemment, il veut nous l'envoyer par photo, mais on refuse. Pour l'instant, il nous dit que ouais, il veut envoyer une photo et tout, mais on dit qu'on le voit. Négatif, vous le voyez en physique. C'est ce qu'on dit. Je
Ok, tour, entrée BP, deux PAX. Un premier étage, de l'autre sommet de la tour. Affi, affi, sur carte. Il y en a un qui a un bouclier. Affi. Hummingbird dans l'air. Rien. Hmm. Ça, le ming... Ah putain, oui, je le vois. Pourquoi pas? Il y a le civil dedans. Le civil est dedans. Le civil est dans le Hummingbird. Ok, à tous, le civil est dans les Hummingbird. C'est bien, vous l'avez vu, c'est bien un civil? C'est okay. Bien un civil qu'ils ont récupéré. Il est où, je le vois pas? Affirmatif, a priori, un civil, on attend de le voir en chair et en os et non. En fonction de ça. Il est menotté si tu le vois. Je vois pas les Hummingbird. C'est un 2 pour le général Limers. Hein? Dans la boutique. Ah, on oui. Est toujours à la poursuite d'une force focus noire qui prend pas mal de risques en zigzagant entre les cailloux. Là, il est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de le choper? Je sais pas, mais tenue noire. Il est tout seul. Donne-moi le siège passager, le siège pilote de l'hélicoptère, s'il te plaît, en distance. 1600. Ah, fille, ouais, t'appelles le petit ouais, casque là, vous êtes en train de me dire, vous avez un otage, bien pris. Pas de soucis. 1685. Que là, vous voulez pas que l'otage vienne avec nous, donc là, vous prenez le risque de perdre vos hommes. Ouais, 1600. On est pour pas loin, de retour. 1585. 1585, t'as le siège passager et conducteur. Ok. Bon. Pour information, j'ai possibilité, j'ai visu sur le pilote d'hélicoptère. Hein. Okay. On a les personnels qui voudraient abattre l'otage. Si on ne fait pas un pas en avant, est-ce que je leur propose de récupérer 50% des armements et qu'ensuite de ça, on les laisse repartir? Tu négocies, c'est toi le négociateur. Ça, c'est une réponse de Dragon 2. Dragon 2 pour aller. C'est pas à nous de décider, ouais, c'est. Ta méthode de négociation, parce que si jamais il la joue chaud lapin et que ça fonctionne, bah tant mieux. Ça prouvera qu'il a su faire son boulot de négociateur et bien gérer. Exactement. S'il fait une négociation et qu'il se laisse marcher sur les pieds et que ça marche pas, bah... off, hein. Même si ça marche après, bah tant mieux. Ils ont si emporté sur l'otage et dit qu'ils veulent partir et qu'on récupérera l'otage sain et sauf. Sinon, là, il tient. Sauf qu'ils vont la mettre à l'envers, sans réfléchir que... C'est ça. De Jeff, précise-leur qu'il y a quand même des snipers pointés sur eux, qu'ils sont en danger de mort eux aussi, malgré qu'il y a un otage qui soit en danger de mort. Ouais, tu leur rappelles que si l'otage meurt, il meurt, et que donc ils peuvent laisser partir une partie de leurs unités, et laisser l'otage sur place, et les autres les rejoindront une fois qu'on aura récupéré l'otage. Donne-moi les maîtres là, donne-moi le maître du preneur d'otage là. Le preneur, j'ai pas de visu sur le preneur d'otage. Si, entrez, regarde, entrez. J'ai pas le... Ah putain, si, bien vu. 1 km 545. 545. Ah, ils sont 3, merde. Ouais. 545 et l'otage est à 546. Un arbre de merde. Confirmer présence de 3 PAX à l'entrée. On check les bacs. Présence d'un ML63 près de la BP. Un nouveau véhicule. À l'entrée de la BP précisément. Par contre, Nick, pour tu dis au négociateur d'arrêter, de dire à ses hommes d'arrêter de faire les singes. Parce qu'ils sont en position c'est de faiblesse et ils font les singes avec nous. Pour négo, c'est en cours, donc là je vais récupérer l'otage d'ici peu de temps. Et à l'issue, bah, une fois qu'on est parti, on top. Puis c'est tout, on va toper. Hein. Prends l'otage, mets-le en sécurité, on verra après. Bien pris, c'est ce que je veux faire.
1500, tu m'as dit combien l'hélicoptère? 1600. 1540. L'hélicoptère. 1585. 1585 l'hélicoptère. Pour suivre le vel, prévenez-nous s'il se rapproche encore de moi. Savoir que les prenants d'otages, là, les mecs, il n'y en a aucun qui pointe l'otage. Ouais, bah je sais. Ils sont tous les armes dans le dos, ces débiles. Hein. Donc en vrai, ils ont aucun moyen de les abattre d'un coup. Donc, à moins qu'il y ait des mecs dans une tour qui l'abattent, je sais pas comment ils veulent l'abattre. Il y a un ML aussi, là, juste à côté. Où? À gauche, 227, il est en train de bouger, là. 1600 mètres. Azimut 227. ML qui rôde autour de la BP. Pour les lotages, ouais. 1548. Pour le preneur d'otage qui regarde dans son équipement. Hein. Ouais. Donc c'est, tu te mets à 1006 si jamais pour l'hélico et tu descends, tu montes. Ouais, je descends un crew et 1005 à moitié si tu te mets pour les preneurs d'otages. 74. Préparez-vous, ils vont partir, ils vont tous descendre, ils vont partir les autres. La fille de Rouen est en train de descendre les détours là. C'est confirmé. Ça veut 1500. Pas nous laisser l'otage, ça veut 545. Rester, on dit que non, on veut récupérer l'otage, il nous dit on va. Alors vous restez avec nous, nos collègues part, vos collègues part et vous restez avec nous en attendant et après on les laisse partir. On lui dit on va pas laisser, nos collègues vont pas nous laisser partir sans nous. Il dit que non. Mais c'est pas dur, non, il laisse partir, nous on reste là, c'est bon. C'est re... Sierra, à la tête de véhicule, fais-toi pas vers eux. Sierra de Rouen. Transmet. Dans la tour la plus près de la LCO, vous avez un Pax au deuxième étage. Ah, il est descendu, il vient de descendre. Affiche le visuel, t'en fais pas. Mais je vais perdre le visuel s'il se cache. Ah bah il remonte dans son on a le ML qui tourne là, autour de la bébé. Ok, de Sierra, j'ai la GTR grise qui est en train de débarrasser le plancher. Oh putain, lâche la poursuite. On doit faire un pas vers eux. Nico, précise qu'on a arrêté de suivre l'ordre de véhicule. C'est vrai. Ouais, les Vipers, Sierra, mettez-vous en pause et... Nous on revient sur nous. Le bike. Quoi? Check le bike. De Viper Lead, j'ai un 4x4 noir qui est arrêté à côté de la BP. Confirmez que c'est un ML. Le négociateur va rester avec moi et les autres VL vont partir non équipés. C'est reçu. Instruction à suivre du coup. Profitez-en, négociateur, d'identifier le véhicule. On n'est pas l'otage, personne ne bouge. Conférez juste les directions de fuite. On aurait dû donner un traceur GPS au négo. Ils sont sur des montagnes, c'est loin de regarder loin. Affi, on fait ça. Profitez-en pour identifier les véhicules, prenez-vous les gars. Il y a la Nissan GTR grise qui est en train de s'en aller, ainsi qu'un Tao noir qui est en train de s'en aller. Tu peux l'escorter en Strider, toi, hein. Ok, c'est bon, otage confirmé ou pas, là? Otage confirmé, c'est... Quittez la zone avec l'otage, là. Allez, vous confirmez, et dès que vous me dites l'otage, quand c'est bon. L'otage, la zone. Bougez. Feu. L'hélico, 1586, le TE, l'hélico, il décolle. L'hélico s'en va. Non, je l'ai eu. Non, tu l'as pas eu, L'Ang-3, il faut shoot. L'Ang-3, largement rapidement, mais... Plus loin. C'est Pauline qui a réussi à faire un shoot dans l'UBP. On confirme les shoots ou pas? Code noir, c'est code noir, ouais. Il n'y a plus rien dans l'UBP, là? Bah, il fallait pas tirer? Il fallait tirer ou pas tirer?
Alors ils étaient en train de se barrer, hein, faut les arrêter. Range pas les tours comme ça. J'ai besoin d'un dump parce qu'on a le premier qui est pris. C'est-à-dire ? J'ai la personne de l'otage là qui est au sol, elle est menottée, on aurait besoin d'une évacuation. C'est le. Tiens, il fallait pas le tirer. Impact, oui. Ouais, bah. Bah j'ai compris, on tire ou on tire pas ? À la fin, j'ai pas compris, c'est chelou leur histoire. Désolé. Ah ouais, je comprends. C'était clair, c'était que les mecs ils laissaient leurs armes. Ils se barraient, que le négo il prenait. Il restait là. Mais what the fuck. Dragon, mais j'ai donné les armes parce qu'ils étaient encore full équipés. En plein milieu de Pyrgos, direction B. Il est où ce fameux pack ça ? Dup, on arrive sur vous, on arrive sur vous, Dup. Ah, je suis à l'entrée. Je comprends pas. Ouais, c'est paumé là. Je suis en train d'AVP de Doc. Alpha, c'est bon, on est là. Ils sont où les gars là ? Les Sierra, ils sont sur colline 134 au sud. Non, mais la GTR et tout ça. Ok, la tour à droite de l'entrée est sécurisée. Ils se sont barrés, à mon avis, c'est ça en fait. Attention, vous avez un hélico au-dessus de la position. De Dragon 1, il y a pas son service, il y a un mec qui a cassé. Ok, vas-y, vas-y. On se regarde, je suis l'autre. Dragon 2, vous pouvez vous occuper du VL juste derrière, ça sans service. Obéissance à la loi, dispersez-vous, j'ai envie de dire. Je comprends rien. Pour info, du coup, c'est chez nous que ça tire en premier ? Bah, on a bien dit, ouvrez le feu, non ? Tiens, Mathieu. Ah oui, bah, je confirme, c'est moi qui tire. CPA, vous avez un véhicule sur vous en dessous là, c'est ça ? Ouais, affirmatif, on est en train de traiter tout ça. Ça ? Enfin, non, si, en face là-bas, en face là-bas. Sur la route. Bien, Cali, bien. Tu vois ? Oh. Oh la vache ! Là, c'est radio, on arrive sur la station service aussi. De CRTE, on a une position d'Apex. Sur CPA, il y a deux personnes, mais ils sont pas armés. Si c'est le Tao noir, c'est eux, ils font partie du groupe. Hein. Pantalon vert, au noir. C'est Tao noir et forme du Stormbound. Mais... Allez là, Viper Alpha, Sierra, vous avez deux véhicules, vous les tapez là. Affirmatif, on est sur eux. Vous me fouillez tout ça. Pas... Allez au sol, au sol, au sol, au sol, au sol, au sol, dépêche-toi. Allez là-bas, 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 remonte, remonte, John. Pas ta cagoule. Hop, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, toi. Les mains sur la tête, là. Les mains sur la tête. Mains sur la tête. Allez, mains sur la tête, vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Une fois, deux fois. Allez, trois fois. Est-ce qu'on a d'autres véhicules, là ? Ils étaient pas trois véhicules à être partis ? Ah, bah en fait, il a quitté l'île, c'est pour ça que j'ai pu le. Mais c'est quoi ça ? Pour info, il y a toujours une forte focus noire qui traîne dans le coin avec un pulse à l'intérieur. Fort probablement attiré. J'ai de ça à 3 en route, on va voir si on peut pas le trouver. Me menottez moi pas le suivi. Attends monsieur. Mais ça va pas de taper un prêtre qui... Bravo, est-ce que vous êtes disponible ou pas? Vous revenez avec moi, on retourne à la BP, on va bien fouiller la BP. Doc, est-ce qu'on a des blessés? Est-ce qu'on a des personnes à extraire pour Doc? Sierra, fouillez-moi le Chevrolet et voir si c'est pas des packs, c'est pas c'est des civils. Attention, moi j'ai porté plein de choses. Bravo, tu fais la tour 2, je vais faire la tour 3. On est en train de crocheter les véhicules. Pour les packs pour Octa. Attends. Transmets. Il est où ton otage? Ton ouais, otage. Dans mon VL. On reste éloigné. Je vais te le passer. Oh, lui il a fait un tour. Bien. De Bravo, on vient de se faire take down par une Toyota noire sur la route principale direction B. Volontaire ? Négatif, il a fait un tour dans le cahier. De Viper Lead, donc Ford Focus noir abandonné à la BP au nom de Karim Bernard. Karim Bernard. Sortez votre. Regardez, vous l'a dit. Minute, je communique avec Dieu. On pose un problème avec Dieu. Sierra, Velrose, ça joue pas loin de moi. Ah non, mais il attend pas, c'est un boss. Des choses pas loin de nous, mais je ne sais pas d'où ça vient. On va faire un check down.
Vous avez demandé il va falloir bouger là. De Bravo, il y a un appel nord qui arrive direction la station essence. On est en plein. On est en plein. Bravo 2 pour Sierra, il y a le VL gris à votre droite qui s'est arrêté quand il y a eu les tirs, évidemment là il vient de repartir. Affirmatif, c'est le Jeter gris. C'est celui qui est devant nous là. Affirmatif. Affirmatif, tac 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 tac. On va traiter. Nissan Jeter gris, c'est Pax. Affi, on a un seul Pax dedans de Sierra, on aura besoin d'aide. Bon, allez, on bouge. Les Bitbirds sur Alpha. Négatif civil. Oui, mais c'est des Pax, chopez-les-moi là. Non, mais c'est un truc civil bleu, c'est Pax. Technique. Affi, y'en a aucun qui était armé, c'est les mêmes VL, c'est quand même bizarre. Affi, regardez-le-moi. Bordel, je comprends rien du tout. C'est bon, soigné. T'es là? Bah, les dragons, on est poursuivi par un Hummingbird. Avec... Est-ce que le nouvel gris est traité ou pas? Négatif, c'est pas traité, on a dû se concentrer sur l'Higo qui nous défonçait. Position de du voiture gris. Voiture gris, on a perdu sa trace devant Forest. Devant? Et à gauche, devant Forest. J'étais gris sur position Hugar, juste à votre droite, Nick et... À droite, en off-road, à droite. Affi, on y va. Sur votre droite. Affi, on a vu. On voit pas. Il est où? On voit pas non plus. Hein. À droite, Nick, apparemment ils ont visu. Merci, Philippe. Plein droite, chef. Oh merde. Oh, on l'a cassé là, on est là, merde. Mais je comprends rien, vos trucs à gauche, à droite, à gauche. Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai vu, j'ai compris. Mais putain, mais vous m'expliquez rien en fait. Moi je suis libre. Merci Infinity d'avoir offert un petit donne-moi à Sergi. Merci beaucoup, mon petit Lulu. Merci pour lui. Et bienvenue bah, dans la communauté des. De Dragon, hein, il est pas traité, est-ce qu'on peut vous en servir s'il vous plaît? Ouais, affirmatif, on arrive. Ouais. Oh, putain, mais pourquoi il est parti? Il est en train de se poser au niveau de la ville là. Putain, mais faut être partout en même temps. Il est derrière ça, j'espère. Ouais, attends, on est bloqué. On arrive, monsieur. Le Nick, je me suis réveillé, c'est bon, je l'ai traité. Allez, on bouge les gars, on va choper les autres. Nick, mets-moi le collègue dedans. Allez, c'est parti. Attends, je me soigne, je suis très défoncé. Tous les deux, c'est PA, vous confirmez? Colline. Il y en a dans Dorida. Quelle colline? Alors là, je sais pas, bon. Ouais, Sierra, la personne qui est avec moi. Tu vois là, la GTR, En face, Dédé. Mais là, elle est morte là, c'est. Bah, il est mort! C'est reçu, merci. Il doit y avoir un à côté, non? Parce que sinon, Nick Nick il serait pas coma. C'est pas un t'as un autre pack sur niveau GTR ou pas? La GTR elle est traitée. Ok. Dans ce cas-là, il me manque un pack, ça. Il est où le deuxième? Affi, on a plusieurs packs dans Dorida de CPA. Affi, Tao. CPA de Rouen. Tao. Pour tous, c'est un TE, plein de. Allez, on bouge! Allez, on bouge, on ramasse les collègues et. Là, c'est un je vais renverser. Ah, vas-y, monte. Il fait que tourner depuis tout à l'heure de Rouen, il a tout le monde sur le dos. Allez, on arrive droit sur vous, Tao Nord, ça arrive droit sur vous. Embarquez, lui. Bon. Ah, ça tire donc, le Viper Elite, c'est bon, le sniper est traité. C'est bon, bâtir. Ils sont 3 sur le véhicule. Les gars, en face de nous là. Il reste un seul. Non, il va être encore le véhicule. J'ai un sur position. Ah bon, c'est bon, j'ai eu, il est coma. Coma sur Tao. Ok, tu peux me le mettre dans l'hélico. Ouais, j'enlève son GPS. On l'a Dédé? Ouais, je suis là. Ok. Ah, j'ai enfin mon arme. Jeff, pour.
C'est bon sur le tableau. Rafi, j'ai les coma. Allez, on ramène le collègue, c'est parti. Il faut que j'aille où là? Direction PMA. PMA. Pas de Jeff, du coup on est direction PMA, on aurait bien blessé. Non, mais non, mais non. Ok, essaie de voir avec Dumas si tu veux. Dumas, je m'occupe d'elle, tu vois. C'est vrai, tu l'as aussi. Ah, je le finis. Tire à deux pour vite. Ouais. Ah, non, non, je le finis. Il y a encore des packs à Dorida. Négatif, les packs à Dorida, ils ont pris Tao et ils sont fait découper par Sierra. C'est bien pris, merci. Par contre, les Nico, il est à eux là, les Nico qui est à votre gauche. Donc, checker la plaque. Alors. Ah merde, elle est où la putain de PMA là? Direction là, le nord. Putain. Dodo, qu'on extrait de leurs collègues, on n'a pas le temps de retirer les GPS. Merde, j'ai pas vu, il y a une tension basse. C'est possible d'avoir une unité en cover sur nous. Du coup, on va rester avec vous. Il n'y a pas de morphine. Il n'y a pas de morphine, merci. Dragon 2 pour Doc. Info se transmet. Il y a encore du monde sur le Tao et Extra ou pas du tout? Il en reste un seul. Affirmative, et... écoutez l'unité qui est au sol, là, il va. Et toi aussi, Sam GTR à côté avec un Pax qui est coma. Bah, c'est bien pris, voir si vous pouvez nous embarquer. Moi aussi. Je reste sur zone au cas où pour. Donc, un véhicule d'un Pax au nom de Zuri Capo, le sniper qui tirait de Charlie Collins. Les à droite, il y en a encore dans la de bravo pour CPA. Ouais, c'est la gauche. La plein gauche. On est bon. Voyez, lui. Il a pas tout en fromage. C'est mort lui? C'est bien, c'est dommage. On a un deuxième pack qui vient de partir avec Martin. C'est déjà le deuxième. Hein. Ah, puis celui qui veut, ouais, j'en ai déjà un. Ok, bah il part en premier choc. Oh, c'est relou, ouais. Il y en a deux qui se barrent de l'île. Tu. Il y en a un autre derrière. Ouais, il y en a un autre derrière, l'autre. Il les caresse. De sécurité pour tout le monde. T'es dans l'hélico, tu sais. Ouais. Dans l'hélico. T'es sûr de le faire monter? Il nous reste apparemment deux hélico à battre. Ouais, justement, restez pas comme des grosses crottes là sur un terrain vague. Allez, c'est remplacé. Yuri. Ah, bouge.
Et j'ai dit que tu n'as c'est bon, aucune... je suis pas sûr. Allez, on trace, les gars. Merci Ryan d'avoir un sub. Merci beaucoup, mon petit frère Ryan. Merci à toi. Sur le fameux TE Nico Pesani. L'hélico a décroché, on l'a pas vu. Alpha, on hey, quelqu'un qui est comme nous. Hein? Le doc pour tous, est-ce qu'on a encore déplacé à extraire? Y'a Yangui, il est comme toi, il comprend que dalle. Bah, j'ai rien compris moi. Je prends ça pour un nom. J'ai répété? On a encore déplacé à extraire? Négatif au Sierra. Bien pris. Négatif en vrai. Bah voilà, on a perdu. J'espère 2, Targon 2, on va vous poser l'otage niveau Shepkaya, on revient sur vous. Je tiens à préciser que l'otage, bizarrement, il était quand même vachement de leur côté hein, pour un otage. Alors, je tiens à préciser qu'il a postulé aussi en tant que policier. Pour Alpha, négatif. Alpha, oui, le preneur d'otage. On se remet en civil, les gars. Tu t'as un bordel DD dans ta voiture. Oh ouais, ça va, c'est ma bagnole, je fais ce que je veux, merde. Hop, les lunettes, on retire la cagoule, on remet le... Allez, de Sierra, on repasse canal 6 et direction... Ah tiens. Test. Reçu, on se remet en civil, les gars. De Dodge pour tous, c'est le fin d'OP. Du coup, on est des fermiers. Je t'aime et j'aurai mon week-end en amoureux avec toi. Putain, l'enfoiré. What? Pas de problème, mon petit Ryan, tu l'auras. Merci à toi d'avoir au sub. Merci beaucoup. Merci à tous, d'ailleurs. Merci pour votre fidélité, votre présence, vos donations, vos subs, vos beats, enfin tout, quoi. Merci à tous. Franchement, ça fait super plaisir. Même si je m'exprime pas, mais ça fait super plaisir. Et bienvenue au nouveau dans la communauté. Voilà. Bienvenue à tous. C'était pas à mater les redifs dans la chaîne YouTube. Ouais, je veux pas le redire, ils le savent. Point d'exclamation Discord, point d'exclamation YouTube, ils connaissent. Salut Dédé, salut Banane, comment ça va? Ah merde, et du coup voilà, je suis déstabilisé par la beauté de Ryan sur le chat. Hein? C'est des mondes, mais de rien, c'est normal les gars. On est une communauté, l'essentiel c'est que vous prenez du plaisir à regarder et que vous vous marrez autour du même jeu, c'est l'essentiel. Même si on a des idées des fois à l'opposé les uns des autres. Mais la discussion n'est-elle pas le premier lien d'amitié? C'est beau ce que je viens de dire. La hall est enfin payée, je pense. Merci. Et tu vas me dire, arrête de manger. C'est pas crédible, mais un policier qui s'appelle Booba. Non, pas trop. Ou pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, où c'est qu'on va trouver du brigand? Atira. C'est bon, on est reparti. Atira. Atira, dis-moi, je crois. Je m'ai pris. Bon, c'est possible. Sur un 30, si vous voulez, parce qu'à un moment, je connais mes voisins. De me regarder avec tendresse. Je ne veux pas faire plus. Pourquoi pas? Si ça te plaît. Salut Dédé. Dimmer, oui, on va recruter. Sera, débrief BA 10 minutes. Reçu. Attends, débrief pour Sierra. Reçu. Reçu, vas-y. Salut Dédé, est-ce qu'elle a pris sur. Oui, on recrute. Ouais, pour les Sierra, on repart la BA. Quoi, que Sierra, pas content? Pareil. Bah oui, encore des MLM. Oui. Je sais pas si je rentre dans la voiture ou pas. Non. J'ai juste la question. Excuse. Alors moi j'ai compris, on tire. Si je me fais engueuler, c'est notre. Qui c'est qui peut t'engueuler, Dédé? Personne. Oh, il y a ça. Problème réglé. Ah la vache, putain, j'ai des lunettes et tout là.
aérien moteur. Ouais, on a... Et on dirait un faux vieux. Ah, c'est ça en fait, un Jones vieux. Un Jones. Ah non. De meurtre, prise d'otage. Oh, t'es beau gosse toi. Ah, moi j'ai pas fait grand chose dans tout ça. T'es beau gosse. Juste oui. Pas. Association bande organisée, équipement illégal, pendant prohibé, tout le bordel. C'est quoi qu'on retourne couper du bois. Ça marche, je voulais juste savoir. Ah, je suis un... j'ai... Attends, faut que je prenne mon accent de paysan. Merci. Je me rappelle deux secondes. Dans un accent, les paysans. Voir, gros. Eh, gros. Ouais. C'est de la bonne baie. Oh putain, mais oui, t'as raison. Si ta candidature est bonne et que celui qui te recrute juge. Juge que c'est bon, bah tu seras pris. Bon, si juge que c'est pas bon, bah il te prendra pas. C'est les tu joues avec quel agent oui, hein quoi tu joues avec quel agent toi comment ça avec quel agent un peu ah, au niveau facial. Tu parles de facial là ou ça ou ça. Ah merde, on parlait pas du tout moi. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Lève la tête un peu en avant. Allez vite toi. Hein. T'as trop regardé le film toi. Ring ding. Ah de ring ding. Bonjour moi. Eh salut Jeannette. T'es déjà sorti avec un vieux pour un verre. Monsieur. T'es déjà sorti avec un vieux pour un verre ou pas? Non. Tu kiffes pas les vieux? Ça, tu savais qu'avec moi ça dure plus longtemps, tu sais pourquoi? Parce que ma peau elle est déjà usée. Le barrage. J'arrive. Mais j'espère pas vous revoir les poulets. C'est pas possible. J'en ai marre. Je me barrer moi. Putain j'ai des pecs. Putain, sans déconner. Merde, j'ai oublié mon téléphone. Salut fiston, ça va ou bien? Bonjour, bien. Ouais, ça va, tranquille. Y'a pas un policier, là? Ouais, j'attends ça. Policier, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai oublié mon téléphone dans le bureau du lieutenant. Est-il possible d'aller le chercher? Ah, négatif, vous rentrez pas dans les lieux locaux, monsieur. Non, mais je demande pas de rentrer. Je demande que vous m'accompagniez, en fait. Non, monsieur, t'es après moi, en fait. Un fiston. Elle est arrivée, je l'ai eu. Bon monsieur, le barrage, il n'y a pas des collègues qui sont là. Et puis d'un coup, mon âge là, ici, elle est un problème. Vous savez la raison ou pas? Ah non, mais justement, avant que vous partiez, je comptais vous dire. Tout simplement, je comptais parler à les personnes du CIRA, on m'a envoyé ici pour ça. Ok, bon, va aux toilettes, c'est quoi? Et tu verras après. Vas-y, regarde ma bite, t'as raison. Ouais, ouais, peu importe, c'est la mienne ça. Ah, t'es tellement gros, tu dépasses. Bon, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu parles à la CIRA toi? Eh, j'ai un petit truc à vous donner. C'est quoi ton truc? Je vous envoie ça sur l'application. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Marche. Donc, quelle application? Parce que t'as pas mon nom. Ouais, justement, sur l'application de son speaker. C'est à qui je dois envoyer ça du coup. C'est ça la question. Quand tu trouveras, tu m'appelleras. Ouais. Du coup, c'est pas trop problématique pour moi. Eh ouais, c'est ça de jouer dans la cour des grands, fiston. Bravo. Je pense savoir à qui donner ça, mais. Pas sûr. Ouais. Allez, envoie ça à Johnny Bigood. Vas-y, envoie-le. Ok, je crois savoir à qui envoyer ça. Il y a marqué anonyme, tu verras. Okay. Alors. Mec. Je suis pas encore allé plus loin, vous me dites si ça vous intéresse. Ouais, je sais pas. Vous allez faire balaiser ? Non. Parfait. Vous êtes sûr? Je garde ça. Ça marche. Tous ceux qui sont murs, bien, fiston. Prêt à partir, on est d'accord. Hein. Bon, aller plus loin si besoin. Va plus loin. C'est ce qu'il me faut. T'as tout compris. T'as compris dans quel jeu je veux que tu joues. Bah, allez, à plus tard. Plus tard. Vous pouvez vous laver les mains aussi. La gueule.
Oui. Je me recolle. Oh, les terres lourdes. Qu'est-ce que j'ai beau. J'ai la tête à mais non, mais les salto, non, ne te colle pas comme ça. Plus en plus. J'ai pas assez de thunes pour acheter un putain de. Ils sont sur le barrage. Ils sont sur le barrage. Ils sont plus trop les cobras. Cartes sur le barrage. Ils sont bons ou fumés? Quoi là? La pire. Mais ça dépend, ça dépend. Ah bon? Ça donne une odeur de campagne. Explique. Ah mais du coup il prend de la place. Ah mais Hugo tu m'expliques. Ah c'est normal. Il m'a demandé le tatane, c'est qu'il doit avoir un problème. Tu crois que c'est beau gosse? On est combien? C'est pas mal. La prochaine fois, ça va. Il pète toujours aussi dur. T'as touché ou quoi? Ouais, ouais, je veux bien. Vas-y, on a le droit, on a le droit. Attendez, trop grosses épaules. Attendez. J'ai du béton, genre. Ah ouais, t'es bien plein. Ouais, bah ouais. J'ai jamais touché ça? Ah bon? T'es là, tu veux toucher ou quoi? Ah, oh, les pecs! Octage, je crois, elle a l'habitude. Non, mais elle touche pas les pecs, elle. Oh, c'est... si, y'a d'autres pecs, mais autant. Ouais, là, je peux toucher mon pec. Salut, mon petit Gugu. Merci, Gugu, d'offrir un abonnement à RedMap. Merci beaucoup, mon petit Gugu. Ça fait plaisir pour lui. Et ça fait plaisir à la chaîne. Merci à toi, grand, grand, grand VIP permanent. Merci. Hein? Il est où? Il est où le général là? Il est où le général? Ben à Porto de la Com, je pense. Okay, général! Pourquoi t'as la rue? Alors pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas de venir sur Discord et demander votre rôle de abonné dans Demande du rôle afin que vous puissiez avoir le rôle sur Discord mais aussi sur Twitch, sur la chaîne pour que je vous passe VIP le temps de votre abonnement. N'oubliez pas, merci. C'est-à-dire, quelle recrue? Bah, je sais pas, on était pas parti avec deux recrues, cher Pierre. Y'a la mienne, mais la mienne a eu un souci. Je prends une commission d'un meilleur ennemi. Il a sauté et il a pris le téléporteur. Oh. Bon! On fait quoi là? Et rapide, personne avantageuse, prêt à être un secteur parfait, je recommande ce chasseur. Bah, le général nous a demandé de venir ici pour un débrief. Hein. D'accord. Ah, moi, ça m'embête un peu le débrief ici parce que nous, avec nos couvertures, on est vite grillés quoi. Mon passe-temps, c'est d'être chasseur immobilier. On doit se mettre en tenue de police quand vous faites le... Ouais, franchement, je crois qu'on va changer. Hein. Non, encore ? Bah, le problème de faire des débriefs ici, c'est que nous, on est grillés, en fait. Ah ouais, mais c'est le général qui a voulu un débrief. Oui, non, mais... Il a pas compris. Oui. C'est vrai. Super. Technique spéciale, hop voilà. Kramparovic et l'autre ils sont sur Impact, c'est ça? Ouais. Ouais, ça. Ouais, Mathieu. En bref, réveillez-vous les gars. Bon, au pire, vous leur transmettrez. Vini, tu reçois? On leur remettra. Viens au débrief. Les cobras sont toujours sur leur petit contrôle, il n'y a pas de soucis, c'est très très bien. Bon alors messieurs, hop, c'est bon tout le monde m'entend? Affirmatif. Ok donc, si je me trompe pas, on avait Ivar et Colin sans ego. Oui. Oui. Donc on va y parler. Ouais. Alors... Négatif, négatif. Alpha, négatif, alpha. Alpha. C'est qui les négos alors? En ego. Je pense qu'il voulait dire en ego. En égo, les gars. En négociateur. Les oreilles, c'est comme le cul. Bref. Bon, il faut un rassemblement. On va peut-être une patrouille vérifier quand même que ça se passe bien. Ouais. Du coup, quelques petits commentaires. Ivar, du coup, je suppose que c'est toi qui négociais. Affirmatif, mais Collins m'aidait pour les transmissions. Okay, oui, non, mais c'est pas le souci, c'est toi qui faisais les propositions. Ta première proposition, c'était donc bien un quart des armes, et c'est ça. Au tout début, j'ai demandé un quart des armes qui rangent les armes dans le coffre et qu'à l'issue, on ne les revoie plus du tout sur les territoires. Okay. Ils étaient d'accord pour ne plus avoir d'armes sur plus tard. Bien pris, Dimers. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu demandes par exemple un quart des armes, etc. Donc tu fais une négo de bisounours dès le début.
Ce qui veut dire que s'il refuse, qu'est-ce que t'as derrière? Parce qu'un quart c'est déjà presque rien. Donc s'il refuse, t'es bloqué, puisqu'après tu peux leur dire bah ok, repartez tranquillou, on vous a pas vu, t'es flic, fais ton boulot. Donc le minimum qu'on a en flic c'est la liberté. N'oubliez pas que se faire choper, s'ils ont déjà des petits casiers un peu remplis, et partir en prison, c'est relou. C'est long, c'est chiant, puis perdre la vie, on n'en parle même pas. Donc, première chose, vous partez en liberté, vous partez en liberté. Deuxième chose, vous nous laissez tout votre équipement illégal. Ça, c'est la base. S'ils sont désarmés, c'est plus une menace. À la limite, vous laissez les gilets s'ils veulent avoir une protection. Mais s'ils sont désarmés, c'est plus une menace. Donc, salut Baxter, minimum, c'est les armes. Merci pour ton don de 2 euros, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Les négociations de bisounours, ça, c'est pas la peine. On est une trentaine, ils étaient 10, allez. Merci mon petit Gugu. Ils avaient aucune chance face à nous. On a eu combien de pertes sur cette opération? 0. Viper, aucune. Voilà, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et vous avez peur qu'il y ait beaucoup de pertes, t'as bien vu qu'au final ils ont pas pu faire grand chose. Le truc c'est qu'il faut que vous preniez votre voiture aussi. Hein. Donc on n'hésite pas à demander des... Le minimum c'est vous repartez sans armement. Et après s'ils refusent, là vous essayez de négocier, de baisser votre taux, d'ajuster un petit peu. Mais comme ça, ça vous laisse une marge de manœuvre. Et le mec va voir que vous essayez de faire des efforts. Comme là, quand je vous ai dit d'arrêter de suivre un véhicule, ah, ça va nickel, faire un pavé, Silvano, comme neuf. Il faut toujours garder de la réserve parce que sinon vous allez être bloqué et là, bah, c'est terminé. Là, c'est forcément, là, ils ont pris l'otage, etc. On était complètement bloqué, plus moyen de négocier. Donc, on ne part pas sur un quart. Sur la fin de la négo, c'est vous qui avez attaqué le négociateur ou c'est lui qui vous a attaqué? On a reçu des tirs et du coup, on a dû abattre le négociateur, prenez la fuite. Ouais, Et le tir est venu. C'est toi le tir DD? Alors, moi j'ai tiré au sniper les gars. C'est pas intéressant. Parce que moi j'ai demandé à radio si on peut faire feu, on m'a dit oui, j'ai tiré. On a eu des tirs. Vous avez pris une rafale, c'est ça? Ah ouais, moi j'étais au sniper. Okay, j'ai tiré qu'une balle. Ok, vont seulement tirer dessus, ok, c'était juste ce que je voulais savoir. Mais prévenez instantanément parce que moi je donnais l'ordre de ne pas tirer parce que vous étiez en plein milieu encore. Hein. Et là, votre taux de survie quand vous êtes en plein milieu, c'est à peu près 0. Je l'avais dit, Connor, après. Moins 50. Ouais, moins 50, hein, à peu près. Hein. Mais ok. Parce qu'il y avait un cafouillage ce moment. Oui, parce que moi j'ai failli faire la merde. Hein. Moi j'ai failli lancer le truc. Oui, toi t'as failli lancer un truc qu'il fallait pas. Ouais. Donc, en fait, on a eu l'otage qui était dans le véhicule de Echo de Viper qui est parti. On avait plus de, d'otage. Ils étaient tous partis. Il restait juste le preneur d'otage et là on a reçu 2 balles. Voilà, on a reçu les mon collègue a répliqué parce que voilà, si on a tiré dessus, on s'est mis à l'abri après pour attendre des collègues et là on a continué à répliquer. Okay, non, c'était un des points que je voulais éclairer parce que c'était un peu cafouillé. Ok, donc ça c'est clair. Donc ouais, n'oubliez pas les négos, vous êtes policiers. Hein. Votre travail c'est d'arrêter de les mettre en prison ces gens-là. Alors demander un quart des armes c'est ridicule. Donc, vraiment, on est un peu dos au mur si on demande un quart des armes. Hein. C'est ta première négo, Ibar ou pas? Affirmatif. Ok. Explique ça. Là, on est une équipe assez forte. Hein. En face, on a rarement des équipes qui sont 30 aussi. Donc profitez-en, faites votre travail au maximum. Tain, ils ont saisi des bagnoles. C'est reçu là du coup. Les Lego, on est en force ces derniers temps, donc n'hésitez pas à être exigeant. Ces gens-là, ils n'avaient aucune chance face à nous. Hein, et ils se sont fait découper. Ok. Et bah, si personne n'a rien d'autre à rajouter, je vous laisse repartir en patrouille. Puis, à prochaine. À bientôt. Hein. Bon, allez, Sierra, c'est parti. Allez, Viper, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, CPA. Ah bah non, il n'y a que nous. Allez, on y va. Oui. Ouais. Cédric, Tu reçois là? Viens me voir s'il te plaît. Il est où là? T'es où? Pas bougé. Dans un véhicule. On verra toute la soirée là, il y a ce qu'il faut que tu te barrages. Je le vois mon tableau de paye, ça doit être sur le site. Ok, alors les payes. Mon petit D. Tu préfères qu'on les prenne le jeudi? Comme ça la cérémonie s'est faite parce que l'autre jour on avait genre 10 minutes de blanc, autant les filets à ce moment là les payes. Comme ça il y a tout le monde. Ouais. Et ceux qui sont en retard bah ils les prennent le soir, le lendemain ou plus tard.
Ouais. Juste à côté de toi. Bah je dis hein. Ouais, ok ça marche. Du coup, okay, Mike, c'est les 20 millions de la semaine dernière. Je sais pas. Moi c'est les 20 millions qui vont jusqu'au 2 juin. Non. C'est les 20 millions que je dois te donner avant dimanche pour la quinzaine. Moi sur le tableau c'est marqué comme ça. Quand je vais dans l'histoire. Bah tu me les donnes. Du coup si tu fais ça c'est bon, tu me les donneras jeudi. Ok. Et on repartira sur une base de 2 semaines tous les jeudis. Tu vois. Un jeudi sur 2. Donc c'est 20 millions que je te donne, c'est ça? T'as le truc de la refonte économique de la police? À tes souhaits. Okay. Okay, je vais aller chercher le doc. Je te filerai après, tu calculeras du coup le montant que t'as besoin. Okay, ça en gros, t'auras le salaire par grade. Et c'est moi. Okay. C'est 1 250 000 en brigadier, puis après c'est 250 000 par grade. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, tu calculeras ça selon tes hommes, etc. C'est le grade actuel, hein, pas le grade qu'ils vont prendre à la série. Hein. Ouais, ouais. Tu pourras me donner le doc que je puisse calculer ça correctement, quoi. Que je fasse pas de la merde. Je te filerai le doc. Et puis après, tu me donneras. Là, donc jeudi, les 20 millions. Et je peux leur dire que toutes les deux semaines. On voit le montant. Et si c'est moins de 20 millions, tu le retires des 20 millions, quoi. Ok. Si c'est plus. Tu vas bah, sur. Tu me donneras l'argent. Ok. Bah, sur le forum, il y a l'adresse du serveur TS. Et il faut que tu mettes le niveau de sécurité à 25 pour pouvoir te connecter. C'est bon pour moi. Ok, nickel. C'est bon ? Je te filerai aussi un peu de thunes pour que tu puisses payer si je suis pas là. Ouais. Parce que de toute façon, là, si on me plante hélico, je risque de perdre une somme incroyable. Ouais, j'ai perdu 3 millions là. À 2% de beaucoup. Ah ouais. Alors, reste dans les airs et ne tombe pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors, attends, je vais te dire comment ça fait. Ça fait. What ? J'ai dû me tromper là. Attends. Tiens, Nédé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre salaire, nous. Comment ça? Moi, j'ai jamais eu, j'ai peut-être. Ça va faire un mois que j'ai jamais rien. Ah, alors, t'as combien d'argent, John? Là, il me reste. Là, il me reste 4 millions. Ah. J'avais 5 millions tout à l'heure et je les ai. Je sais pas. Ah, bah, dis-toi, si que je... dis-toi que si quelqu'un me tue, enfin, me tue, me fout à l'hosto, il se peut que je perde 5 fois ce que t'as sur ton compte. Ouais, bah dans ce cas-là, go faire les payes. Donc bon. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut maintenir un équilibre financier si on veut que la police dure longtemps. Donc il faut que je reste à peu près à la même somme. Surtout qu'il y a des trucs que je dois encore à la sécu. Bah oui, mais non. Bon, allez. Ça au moins c'est redistribué en chaque. Vous êtes prêts à Sierra Canal 6? Et chaque saisie que moi je fais. Vous êtes prêts, les gars? Affi, toujours prêt. Bon, bah d'accord, c'est moi qui suis en retard. Ça, on fait pas de pierre parce que là c'est des cartes. Si on perd 25 millions, c'est chaque fois que le général meurt, on est pas dans la merde. Alors, 4 x 5, ça fait 20. Ouais, pareil. Ah, ça me fera penser que j'ai 240 000 à déposer en compte, moi. Et... Je sais pas qui c'est que je les ai pétés tout à l'heure, là, mais... Oh, il a braqué. Non. Ah, quand un rebelle braque des civils et que 2 secondes après je l'arrête pour braquage, bah je lui vole son argent, mais le civil il m'a pas réclamé l'argent, je lui ai demandé, il m'a dit non c'est bon, vous inquiétez pas, il m'a pas volé grand chose et je vois 250 000, je fais bah... Direction attirant. On va dans le channel, besoin de questions. Vous êtes en civil? Et il y a Alter qui va venir t'aider. Oui. Besoin de rien, envie de toi. Et appuie sur le champignon avec ta merde. Besoin de rien, envie de toi, Jeff. J'avance pas. Oh, bah ouais. J'aime jamais envie de personne. Écoute, hein, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi c'est toujours nous qui avons la voiture rose? Ouais, c'est pas nous les PD, c'est vous. Ah, c'est pas sûr. C'est rose, en plus, c'est de la merde. C'est pas de la merde parce que c'est rose, c'est de la merde parce que vous conduisez. C'est de la merde parce que Nick conduit, c'est pas pareil. Personne dans cette ville là. Oh, faut que je trouve une maison moi dans le coin pour quelqu'un. Ah, celle-là, elle est pas dispo. Je veux pas descendre. Je vais dire bien. Sophie Marston. Oh, mon petit passe-temps, des fois quand je me fais chier et que je suis pas en service, je cherche des maisons et je les vends. Ça me fait du blé.
là, faut que je retrouve là, faut que je trouve une maison pour l'avocat commis d'office. C'est quoi cet hélico là? Un hélico. Il se pose là? Il se pose. Un hélico civil qui se pose au niveau du garage. Ah, pas trop vite les gars, laissez-le se poser, laissez-le se poser. Allez, coupe ton moteur. Ton moteur. Oui, bah non. Allez, go. Quelqu'un descend voir qui c'est? Non, y'a rien du tout. Allez, on se passe. Il me colle, lui. Quoi? Eh, hey, touche à elle, la voiture. Oh, vas-y, t'as cassé ma bagnole, là. T'as cassé ma bagnole ou quoi là? Donc c'est ta bagnole, il est déplacé. Ils veulent quoi les genoux? Ah ouais, putain. Il est blessé. Ah vas-y, sors du véhicule. Vas-y, sors du véhicule le blessé là. S'il est blessé, sortez-le vous. Mais t'inquiète, je cherche. Je vais courir. Vas-y, je vous emmène. Vas-y. Attends. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Pas de sous. T'as pas de pognon. En plus, ils ont pas de pognon, les jeunes. Vas-y, je te porte. Vous pouvez pas m'aider. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, garçon. Quoi? Il y a le garçon là-bas, il y a la voiture, j'aime pas trop là. Mais là, il regarde, c'est normal, il aime bien les caisses. Ah, je vais chercher des sous, je pouvais vous payer parce que là. Oh la vache, les gars, vous avez fait un accident ou bien? Ah, ça soulage. Ah, ça soulage. C'est une longue histoire. Ah ouais. Même pas, je veux même pas savoir. Dingue. C'est dingue, 4 jours, mais qu'est-ce que toi fais? Allez, on s'en va. Allez, c'est parti. Allez, bonne journée. Hein. Allez, ciao. À la maison, on doit cultiver les champs. Attendez, la prochaine fois que tu casses la voiture, je te fais goûter la maman. La véhicule est tracée ou pas? Oh putain. Alors, on se casse. J'avoue, tiens, c'est vrai que j'avoue. Ça faisait longtemps que j'avais pas brisé de voix de mafieux. Bah ouais. Et la prochaine fois que tu touches ça, tu vas goûter les gifles de la maman. Moi que tu es fou. Allez, direction route principale, direction Kavala. Ma fille a un rassemblement à Kavala, apparemment. De quoi? Aucune idée, mais je sais qu'un. Ils savent pas conduire. De voiture. Ah. Bah allons-y, disons tranquille. Mais pourquoi? Oh là là, mais pourquoi il va tout droit lui? Qui les cons hein? Pourquoi ils ont une voiture noire? C'est qui les gars? C'est qui roule en tao noir là? Octavia? Qu'est-ce qu'elle fout Octavia? C'est Octavia. Octavia de DD? Oui, sur écoute. Qu'est-ce que tu fous en tao noir là? C'est mon binôme éco. Ah. Elle nous a un peu rentré dedans en face à face. Ah bah tu peux les défoncer. Négatif, j'ai foncé dans personne. Non, ah bah un petit peu. Tu fais des takedowns faciles. Ah bah y'a peut-être eu un petit problème. Parce que moi j'ai rien eu. Vous savez ce qu'on dit Dédé hein? Mon volant. Mort au temps. Je m'excuse mon commandant. Je suis colonel pour. Excusez-moi. Je suis bien de pognon si ça t'intéresse. Je suis blindé de pognon si ça t'intéresse. Mais... Quoi? J'aime bien le petit, j'ai plus d'argent que vous et là t'entends le petit. Whisky pour toi, pour Johnny, ça passe. Ça sera le temps, hein, carrément. Jeudi, ça va être long. Putain, ça avance pas cette merde. Attention. Sur la Nissan, on va peut-être faire demi-tour, les gars.
Ça serait bien. Ce serait pas mal, ce serait drôle. Ouais, mais il le fait. Il le fait ? Neg neg. Oh merde. Et des go fast en voiture pas fast du tout. C'est ça. Il y a des gens là, LC. Personne, hein. Il y a des fois où on se fait chier quand même. Tu suis dans le chargement du cerveau. Non mais je comprends, ce lampadaire il était pas beau. Ouais, il m'a saoulé. Il était utilisé pour stopper la drogue, vous le saviez? Ah fi, la destruction était nécessaire. Il y a celui avec toi? Ouais, il est dans l'autre voiture. Slow, t'es là? Il est là, Slow, ou pas? Non, non. Ah, ah. Peu, il a pris sa fin de service. Ah, il a pris sa fin de service. Va à la prison, je vais faire du mariage. Faire du mariage. Pas minage, mariage. Mariage russe, octobre. Hein? Ça, vous avez compris quelque chose? Ah, rien du tout. Quoi, qui? La com longue, il y a une com longue, le... je n'ai rien compris. Personne, hein. Alors, la station. Rien de service. C'est ce qu'elle est, la station de service. Apparemment, il y a un garage qui se construit là. Après le virage. Hein? Après le virage. Là? Là, là. Voilà. Là. Voilà. Non, c'est pas, pas ça. Non, voilà. C'est là-bas. Ici. Ici, garage construire. Ici. Ici, là. Ici, garage construire. Ici. Ici. Là, là. Oh, c'est ça, ici. Ici, garage construit. Au coup passage. Bon, attention, il y a un moteur en contresens. Oh là, toi fou, fou. Voiture cassée, moto cassée. Moto cassée. Sur le côté. En plus, il a pas de casque. Non, bah, c'est... Quel criminel. Oh là, un moteur, là. Oh le motard! Eh motard! Ouais? T'as cru que la route elle était à toi? T'as cru que tu faisais 3 mètres de large ou quoi? T'as vu mes pecs? T'as vu mes pecs? Civil, allez me patrouiller, enfin allez me checker les noms des entrepôts. Putain, mais t'as cassé la bagnole! T'as fait des dés, t'as une scoliose à droite. Oh, j'avais cassé moi. C'est rien. Putain, ouais, c'est tordu. Je suis tordu, non? Bah ça va mieux là! Ça va. Ouais, mais t'as cassé ta bagnole ou quoi? Comment ça se fait que tu prends toute la route avec ta moto là? T'as pas vu que t'as percuté ma voiture? Ah, j'ai pas percuté ta voiture. J'arrive vas-y. Pas à on a trouvé l'entrepôt du ministre. Il m'a roulé dessus en plus. J'ai il m'a roulé sur dessus en fait. Ah, j'ai roulé à 2m50. Mais non, tu m'as roulé dessus. Tu m'as touché la patte gauche là. Putain, mais t'es fou toi. Je pense que celui-là on pourra le perquisitionner bientôt. J'ai pas touché. Non, t'as jamais rien fait toi, de toute façon, attends. J'espère que tu vas crever sur ta machine de bord. MDR. Allez, on s'en va, fiston. Ramène-moi chez mamie. Mais même pas, il va réparer. Voilà. Allez, on décolle. Cool. Tu sais ce qu'on vient de trouver comme entrepôt? Non. L'entrepôt de Corsica Gaëtan. Merde, viens, on fait une perquise.
C'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit, ouais, les gars, on va faire un carton. Takashi Uchiwa. Comment il va, lui? Tu m'aurais dit Takashi Sensei, je t'aurais dit, putain, c'est ce que je connais. Affinity James. Affinity James. Oh, bien oh, bah, parti, ça. Oh, bah alors là, là, à mon avis, il y a du problème. Sierra 2, nous sommes bloqués. Ah bah, débloquez-vous. C'est bien pris. C'est comme les chiens, faut mettre des piqûres. Attends, je vais créer, je vais ajouter à son dossier, il me semble que Affinity, elle a un 2. Non, même pas, elle a même pas de... On est quand même bloqué. Elle a même pas de dossier chez nous, quoi. Mettez-vous une piqûre pour vous débloquer. Oh, y'a besoin. On s'en fout, hein. Allez, à gauche. Joël Marie sur moi. Félicitations. Joël Marie. Je connais ça. Putain, le nom, il me dit quelque chose. C'est pas un mec qui traite dans une société. C'est la Oil. Non. C'est la Oil, ça. Non, non, la LC, la LC. La LC ou LCO. Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Les coups de piqûre n'ont rien fait, on est toujours bloqué. Bah, reprends une piqûre. A... Alors ça... Est-ce que... Nous aussi on a cassé. J'arrive à te mettre une picture. Merci. Il y a des trolls si tu veux, regarde, y'a un jeu pour enfants si tu veux. Tu te fous la gueule ou quoi là? Non. Je vais te mettre dessus, tu vas voir, tu vas... je vais t'attacher, je vais te meloter au tourniquet et je vais te faire tourner toute la journée. Ouais. Ça c'est une bonne truc à faire hein, pour un. Pas de soucis, t'es cool, t'inquiète. J'ai envie de torturer. Hein. Tu vas dire Dieu sur moi. Non, t'as pas besoin d'être. C'est... Ça va juste te faire chier à l'acheter, mais t'en as pas besoin. Normalement, dans 10 minutes, il y a un bug, serbe. Le stream, il va bug dans 10 minutes. Ah comme non. Tous les soirs. Bah, comme tous les soirs. Ah non. En fait, c'est la mise à jour de la 4G. C'est le relais qui se met à jour à ce temps-là. Putain. C'est bon, c'est réparé. Ouais, c'est réparé. T'en as pas deux des... Des relais? Non. Non, non, pas des relais, des... Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Il est content, il a fait tourner le tourniquet. Mais tu sais que ces trucs là, la première fois je me suis rendu compte qu'on pouvait les faire tourner, j'ai phasé pendant 10 minutes. Ouais, quand même. Je me suis dit, putain, ils ont poussé le truc jusque là. Mais tu sais, moi je pensais que les trucs c'était comme des trucs abandonnés, tu vois. Je pensais que c'était des trucs abandonnés que tu pouvais pas. Non. Mais non, le truc il roule, il tourne vraiment. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que quoi? Je pensais que j'avais. Putain, oui. Oh, oh, oui, les problèmes. Oh. Oh, t'as vu le problème là? Je sais pas quoi. Ah, ça y est. Ah, voilà. Oh, il y en a beaucoup là. Fais gaffe, j'entends un gros bruit. Ça s'appelle un hélicoptère. Alors, vous ferez gaffe, quand vous entrerez dans Kavala, il y a un truc qui s'appelle la frontière des FPS. Oh. Ah, fille, je ressens déjà ces affaires. Oh, putain, la vache, regarde. Ah, alors oui, en fait, il y a un nombre incompréhensible de voitures à la place. Oh bordel! Bordel de merde! Ah ouais, ralentissez oh, bien correctement les gars. Parking privé pour nous. Alors, la police, j'espère qu'ils ont une autorisation de stationner. Pas d'autorisation. Pourquoi il a une radio longue portée lui? C'est un policier. Quoi? Non, j'ai déjà entendu ça quelque part. Coupe ta. Et 3 années fermes pour monsieur Ladé. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très efficace. Jamais vous allez vous trouver. Le parking s'est caché dans le bâtiment. Le suspect est un pion. Belle limousine! Je le mets à l'agent. C'est des voitures à vendre tout ça ou quoi? Pas de problème. Putain, je. Genre. Non, pas de voiture. Bonjour! J'ai flashé. C'est des voitures à vendre? On peut acheter des voitures ou pas? Non. Bonjour, alors. Non, bah alors. Il y a une voiture à gagner, mais. Tombola, après il y a une voiture à gagner. Ah, bah. Et ça consiste en quoi?
En fait, il faut choisir un numéro et payer. Et ouais, après, il y aura un petit tirage et celui qui aura gagné. Comment on sait qu'on a gagné? On va faire le tirage à 23h45. Pardon, monsieur l'agent. T'es pas chez toi. Pardon, monsieur l'agent. Ouais, putain. Ce que j'allais lui dire de couper sa musique de jazz, c'est pas ça me casse les oreilles. D'avance, hein. Mais là, ils vont pas, c'est un tirage au sort en fait. Laquelle, faut que tu payes. La jaune. Oh, ouais, bah ouais, elle a gagné. Elle a gagné. C'est de la merde. Elle a gagné. La voiture orange. Putain, t'as de la chance que les flics ils t'ont pas embarqué. Hein. C'est interdit ça. Mais non. Bah si. En plus, ils sont juste là. Méfie-toi, ouais, garçon. Je vis avec eux, Ah ouais. Bah écoute. Tant mieux. Bon. J'espère que tu envoies des tickets. Les mecs qui viennent, ils sortent de ta baraque et ils enfument tout. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Rentrez pour visiter. Ah oh bah. Oui, allez-y, c'est l'exposition à ciel ouvert. Alors, vu que c'est des vieux modèles, on a peur qu'il y ait des entités qui risquent de sortir de ces véhicules en fait. Exactement, des esprits qui malheureusement auraient fini condamnés à l'intérieur de ces véhicules. Vous savez, la belle-mère dans le coffre, c'est connu ça. C'est connu. Ou le beau-parent. Cabron, c'est des fous. Un peu casse-couille, on va dire. Oui, il y a un italien par ici. Sa personne, hein. Mon dieu, mais il en manque une là. Monsieur au chapeau, ça, l'italien. Non vieille bien bonjour, monsieur. Ah, bien le bonjour. Il y a un président qui s'est fait assassiner là-dedans. Elle tenue. Mon avis, il y a une petite entité, hein. Comment un collègue. Très très bien, et toi. Il en manque une là pour que l'on panise. Monsieur le militaire. Monsieur. Est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Ah. Ouais, venez, on va se mettre à côté. Non, mais ils ont pas mis la plus. C'est quoi ici, c'est le fils? C'est quoi votre nom, monsieur italien? Non, ils ont même pas mis la plus jolie des voitures, c'est Les secrets du face. Les cannes. Ah, ça me rappelle des choses, ça. Aïe, on se porte. Exactement. Aïe, on se porte. De grès. Aïe, on se porte. De grès, plus loin, défense. Je l'en prie. Aïe, on se porte. T'es qui là? Aïe, on se porte. Bah oui, mais du coup, elle est pas exposée, c'est ça? Ah non, mais il faut quelqu'un qui l'expose. Arrive. Affi, ouais, c'est ça. Putain, il parle trop fort. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur? Peut-être. Ah ouais, effectivement. Ça marche. Ah, c'est voiture de Fiat là. Les mecs. Du coup, c'est voiture de Fiat. D'accord, pas de soucis. Merci. Et non. Alors. Quoi? Ouais, je sais. Oh la vache! T'as pas joué à celui qui a la poudre, ça. Oh les gars, j'ai besoin de vous! Ouais. Il a fauché le camion là. Les gars, j'ai besoin d'un traceur GPS sur la Lamborghini noire là devant là. Au garage, rapide! Collectionneur d'occasion, ouais. Vous m'en souvenez, les gars? Ah, fi! Il me faut un traceur GPS sur la Lamborghini noire là, devant le garage à droite. Pas la première, la noire mat, la noire brillante à droite. Ah, c'est ballot. Elle est énorme ce véhicule. Ah non, moi je t'ai pas touché, hein. Je touche pas. Ah si, vous m'avez tâté. Ouais, c'est de grâce, on peut récupérer. Vous avez tâté de mon épaule. Il est géant ce véhicule. On va laisser la ici. Il n'a ce même pas l'avoir tapé là. Ah non, il y a la police. Et puis on est à Cabana. Ah, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est combien la tombola en fait? Oh, ah ouais, clairement. Mais attends, mais je pense. Attends, où est-ce qu'on peut. Combien la tombola? 3000 euros. Est-ce qu'on peut les acheter? 3000 le matériel spécial. C'est pas cher? Ouais, je sais. On fait exprès. Ah, d'accord. Et y'a pas beaucoup de monde qui veut jouer, je pense. Je sais pas. Qui m'en occupe? Non, mais attends, t'aspires pas confiance, toi, habillé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Caméra? Bah ouais, forcément, les. Pas trop le temps. Bah ouais, mais les gens ils vont pas acheter quand ils te voient comme ça en fait.
C'est normal. Viens en costard, tu seras plus crédible. Je m'arrête. La radicalisation de choses. Non, je pense que c'est peut-être au streetwear. Putain, j'ai quoi? C'est pas un accessoire, c'est un truc que tu mets dans ton inventaire. Starfula, y'a les men in blue. Un truc que tu peux mettre dans ton sac. Y'a les men in blue. Eh non, c'est les Ghostbusters ici. Ah bah tiens, justement, monsieur, on cherche une caméra comme vous, on peut l'avoir où? Oh monsieur, vous voulez passer à la télé? Non merci. Ouais, moi je veux la même caméra en fait. Ah monsieur, pas de concurrence. C'est pas juste une question de concurrence, alors là, vous, si vous êtes dans le domaine dans lequel on travaille, vous n'en arrivez pas ça, hein, je vous le dis. Hein. Non monsieur, non mais moi je vous... Non mais on va mettre chose au clair, nous on travaille dans les entités paranormales, donc voilà quoi. Allez écoutez ce qui se dit un peu là avec les mecs en costard, avec les bandanas là, tout ça, la caméraman et tout ça. J'adore votre rapport. C'est dans le streetwear. Je disais que l'alarme était géniale. L'alarme. La lave. L'alarme. L'alarme. Oh, dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu un quelqu'un comme ça. Ça me rappelle quand j'étais dans l'armée. J'avais conduit des vieilles P4 comme ça. Exactement. Arfoula, c'est quoi ça? Une voiture de tendance. C'est pas une Jeep ça. Ça c'est une Jeep. Minibus et tout là, c'est pas mal. Allez, on bouge! Ah bah, je considère qu'il est sur le marché, hein, étant donné qu'il y a des barrières. Allez, on bouge, les gars! Marqué, Hutch! Oh! Ah, fille, dégage! Allez, on a du mot à Negades qui nous attend! Bon, casquette, attends-moi! Jeff, tu fais quoi là? Des hommes qui me parlent. Va t'occuper d'acheter la qualité caméra s'il y a besoin. Et moi je m'occupe d'acheter. De Bibi, j'ai tracé la Jeep, j'ai tracé la Ferrari et la Lambo maintenant. Ok, nickel. Alors je sais pas d'où il m'a cramé, mais il a réussi à me cramer. Mais les mecs là avec leur caméra et tout là, j'avais un accent comme ça là et il a dit j'étais reconnu, tu es le paysagiste de tout à l'heure, et là, j'ai fait quoi pas du tout. Une ombre là, oui, une ombre, ouais, il peut savoir avoir que une ombre géante là, on peut savoir que c'est toi en fait, une ombre géante, et ouais là je vois une ombre géante. Je crois pas, pour moi là on est dans l'ombre. Ah ouais, ils m'ont reconnu, je sais pas comment. Ouais, mais... bizarre. Je dis, ouais, tu reconnais pas l'accent, c'est le paysagiste de tout à l'heure. Je fais, ouais. Ah, direction Negades. Bien pris. Il passe quoi là-bas? Bon. On va tuer le temps. Oh non, je l'aimais bien. Ah, bah, tu vas rester au garage? Allez-y, restez sur Kavala, les gars. Ah non, c'est juste que j'aime bien le temps, quoi, ça me ferait chier de le tuer. Ah. On a pas compris ta blague. Je sais, c'est triste un peu. T'es trop intelligent. Ah, ça fait plaisir, enfin, quelqu'un qui... Enfin... Non, c'est une blague, ta gueule. Jeff. Allez, écoute. T'as reconnu le gars qui était sur la place? En costard noir? Ouais, le même mec qui m'a regardé et qui m'a dit « Ah, mais je t'ai reconnu, toi, c'est le paysage de ta mère !» Je sais pas s'il t'a dit ça, mais... Ah si, il m'a dit, il m'a dit « Ah, mais vous êtes les paysagistes de tout à l'heure, je vous reconnais, vous avez juste pas vous mérite une meuf !»
En tout cas, il nous a cramé direct. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre la fuite. Ah, même si vous prenez pas des accents, vous changez pas vos voix, faut changer de voix. Ah, faudrait que je pense à un modificateur de voix. Bah, voice meter. Bah, en fait, mais les qui sont arrivés en jeep. Il faudrait que j'ai un voice, mais un truc qui change ma voix personnellement. Moi, je sais que j'ai vu un enceinte de la Serra. Ah. Sinon, tu vois, par exemple, on peut s'arranger pour que tu fasses un candidat sans avoir 200 heures, s'il te plaît. Ce serait très sympa. Ouais, mais ça marche pas comme ça, Twitch, en fait. Je vais t'expliquer sur le test. Les véhicules sont donc devant le comico. Sinon, moi, tu vois, je peux arriver à faire. Je mets les mains sur toute tête. Mets les mains sous ta tête. Je mets les mains sur toute tête, de suite. Tout de suite. Malheureusement, le souci c'est s'il me faudrait une voix que je me crie moi-même en fait. Alors, une voix que je me fais moi-même. Une voix. Non, je m'entends. Bien maîtriser ça. Comment tu t'appelles? Dis-moi comment tu t'appelles. T'es pas là? Allô? Oh putain. Oh putain. Je suis en train d'essayer des choses. Ça ne marche pas. Alors. Oh. Oh merde. Comment ne pas être grillé avec votre musique de merde en fait? Il se passe rien là non plus? Ouais. Ouais. Non. Hein? Non, non. Là? Non, toujours pas. Et là? Toujours non. Pas. Non. 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 Non plus. Non. Non plus. Ça fait des voix de merde. Ouais. Oh oui. Ouais, en ce cas, c'est rien non plus là. What time is it? Oh là, et moi le car, les gars, pour ranger les bagnoles. Ah, on a encore un quart d'heure. Un quart d'heure. Ouais. Attends, elle est bien. Putain. Quoi? Starfle. Starfle. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je fais un passe haut et un passe bas, ça fait un passe bas en haut. Putain. Ça m'entend bizarre. Oh, direct, je me fais merde. Comment tu t'appelles? La poubelle. Et là, c'est le drame. Je sais pas si vous trouvez ça bizarre, mais bizarrement, les scorpions ils viennent pas nous casser les couilles sur le terminus. Étonnant. Par contre, quand on est 4 flics là, ils viennent nous chercher à la BA, c'est bizarre ça. Affirmatif. J'aimerais bien qu'on les prenne quand on sera propre. Juste pour voir comment ils font les malins. Parce que tout à l'heure, allez, tu sors ton VL, tu me poses tes armes, il reste encore en travers de la gorge. Comment tu es fou? Quand t'es 4 contre 12, t'as pas le choix de poser ton arme. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai failli vous renverser, dis donc. Oui, j'ai vu ça, oui. Mais tiens, ah là là. Juste à côté, bah, 300 km/h avec une Victoria, c'est un petit peu abusé. J'aurais dit 280, tu vois ce que je veux dire? Oui. Dis donc, je suis en train de me poser une question. Dis-moi tout. J'ai regardé la télé hier soir et on me parlait de champignons magiques. Du coup, je me suis dit que je vais aller me balader un petit peu du côté de la DC. Et devine sur qui je tombe? Sur un schtroumpf! Et les schtroumpfs, ils vivent dans les champignons. Donc je me suis dit, je vais lui poser la question. Alors je trouve, ils sont où les champignons? Eh bah franchement, écoute, hein, je suis dans le même cas que toi, hein. Si je pouvais en trouver, ça sera vite fait, hein. Mais non, j'en ai pas dans le coin, je suis... Au moins, t'aurais un toit pour dormir. Allez, passe le bonjour à Gargamel, salut. Ça roule, ça roule. Ça va, Mounier? Quoi? Ah oui, il y a un problème, Zendar, c'est clair.
Quand je vous dis qu'il y a un problème, les gars, il y a un problème. Mais pas. Tu sais qu'il y a un problème. Mais arrête, Jésus-Christ. Ça me réunit ce jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Va falloir qu'on parle. Ah oui, va falloir que vous parlez entre vous surtout. Allez, c'est parti. Y a rien là. C'est l'autre avec son bordel machin. Quoi? Après les Portugais, je m'excuse également auprès des Schtroumpfs. Attendant, le truc de paysagiste a bien marché tout à l'heure. C'est vrai. Comment tout t'appelle? Bah oui, c'est ce que je t'ai expliqué. Putain, bah pourquoi je prends cette voix là? C'est ça. Il a tellement l'habitude de faire le con qu'il le prend tout le temps maintenant. Oh putain, ouais. Ouais, bah c'est ce bon, que je t'ai expliqué. Bon, les gars, je vais prendre ma fin de service. Bonne soirée à vous. Salut. Ciao. Adieu. C'était ton dernier jour de policier. Ok, salut. Salut. L'épreuve des poteaux, c'est attirant. On a beaucoup d'amis là-bas. Enlève ta musique de merde. Simple, rapide, efficace. J'ai dit simple, rapide et efficace. Effectivement. L'hélicoptère qui se pose dans la sortie d'Angios. Une guerre. Il se pose ou il nous regarde? Il se pose. Eh bah, go voir. C'est parti, regardez de quoi il s'agit. Ah, il est où votre hélico là? Ah, vous me dites qu'il se pose? Ah ouais. Skate. Oh putain, il a mis la musique. Ça va peut-être rentrer dans une maison. Oh. C'est équipé? C'est pas équipé? C'est neutre? C'est neutre. Oh. On est en train de spot. Neutre. Eh bah si c'est neutre, on se croit. Après si t'es assez malin pour choper le nom de la boîte aux lettres sans qu'on le chope, why not hein, ça se trouve il a un casier tout le mec. Ça se peut aller, regarder la maison où il est rentré. Ah bah il est pas rentré, du coup je pense qu'il cherche une maison. Ah attention. Bah je pense que le mec il cherche une maison. Hey, fiston. Bonjour. Fais gaffe, il y a les policiers qui arrivent. T'as garé ton hélico, ils vont te mettre en fourrière. Et tu gères une maison. Ce monsieur, je crois l'avoir arrêté hier. Ouais, il cherche une maison. En fait, il y a un nouvel arrivant, il a pas grand chose sur son casier. Je connais une de maisons libres en plus ici. Oh 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 oh! C'est pas une voiture qu'on a tracée ça? Quoi la voiture qu'on a tracée là en beau noir là? Ah si. Ah non, c'est pas celle-là. Et c'est pas celle-là. Mais elle était à la place quand même. Par contre, il y en avait deux hein. Vous les suivez de toute façon, Dédé, je l'ai tracé la bonne Lambo, la Lambo même.
Ok, nickel, tu regardes où ils rentrent le véhicule. Où ils stationnent, où ils vont. J'ai compris. Ouais. Actuellement, ils nous suivent. Un homme à la Legendary. Ah, bah non, c'est Madame James. Qui est ? Continuez tout droit. Continuez tout droit, les gars. Non, s'ils ont des lambeaux. Je pense qu'ils vont s'arrêter à la LC. Je pense. Mais écoute, ils arrivent bientôt dessus. Mais ils se sont pas arrêtés, ils vous ont passé normalement. Attention, il y a un coin de milieu de la route. J'ai un véhicule encore des vitesses de 150 km/h, je fais quoi? Bah tu fais rien pour l'instant. On va l'obtenir. 101 km/h, ça respecte anormalement les limitations. Ouais, c'est trop bizarre. C'est vrai que si on regarde bien, c'est con parce que les voitures en général n'ont pas cette place dans leur coffre. Enfin, pas comme pas assez de place, c'est que tu peux pas vraiment faire de go fast si t'as pas un véhicule go fast. Ouais, quelque chose de dommage. Les... Merci, c'est sympa ou quoi? Non, je travaille demain. Merci. Ça devrait être un truc que Jackson aurait changé. Ça, non, mais j'ai pas vu, j'ai pas regardé le chat, les gars. Désolé. Non, je travaille demain. Dédé. Quoi? J'ai cru que t'avais pas vu le quad. On fait quoi? On fait BA, les gars. Bien pris. Allez, on range tout le véhicule. Il a rangé ouais, le véhicule au garage de l'aérodrome. Ok, reçu. RTBA. RTBA. Fin de service pour nous. Ah, pour moi, déjà. Une entrée secrète là dans un mur en fait. Ouais, ça serait sympa. Et on peut pas la BA. Non, c'est pas de. La BA est trop. Si, il y a trop de vide autour. Du garage quoi. Bleu. Allez, bougez. Tu vois? Plus jamais je remonte dans un véhicule. Bon, allez, encore, c'est vrai qu'il faut les malins. Vous êtes content? Ouais, vas-y, essaye pour moi. David. Essaye pour moi. Viens, on va discuter. Viens. Octavien? Viens, on va discuter. Un truc. Ça va faire octogone sans règle maintenant. Tu veux une chaise, s'il te plaît? J'ai coma de mec. Voilà. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé mon arme, c'est sans faire exprès hier au barrage. J'ai tiré. Balle. Bravo. Mais t'es où, Yvan? Coupez votre putain de musique. Ou si vous mettez la musique, vous la mettez en voix basse, en voix faible. Je me rééquipe vite. Hein. Et hop. Oh. Bah là, je lâche ça. Mmh. Merci. Oh! Et voilà les fifis. Bon bah voilà, fin de soirée, fin du rendez-vous, 20h minuit comme il se doit. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir followé. Merci et bienvenue au nouveau. Alors je pense à je suis Étienne, à Stevers pour ses beats, à Ryan pour son resub, à Infinity pour avoir offert des abonnements comme d'habitude.
Merci aussi aux autres followers comme Store, Vélix, Gigix, Twitch, Dioses qui nous a suivis mais qui malheureusement n'est pas d'accord avec notre RP. C'est sa façon de voir les choses. Merci à Google également. Merci à Sadrit. Merci à Negra. Merci. Merci aussi à Étienne de nouveau qui a défollow et qui a refollow. Merci à tous. Bienvenue. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, de nous demander vos grades VIP sur Discord, sur le Twitch pour avoir les émoticônes de VIP. Merci aussi aux subs, aux resubs, pardon, M&M's en travers. Et voilà, j'espère que vous êtes fait marrer. Alors, les commentaires que j'ai eu ce soir sur les Discord, je ne répondrai pas et je ne répondrai plus aux opinions sur le serveur. Voilà, c'est une question logique, c'est notre chaîne, c'est notre communauté, je suis pas là pour ça, je suis là pour streamer, pour votre plaisir, pour mon plaisir. Tout ce qui est staff et organisation restera sur TS du serveur. Je suis disponible sur mon Discord tout à l'heure, je suis disponible sur TS pour tout ce qui est administration. Merci de m'avoir suivi, merci du follow, merci Elro, merci à toi. N'oubliez pas, merci aux donateurs. J'oublie Gugu avec ses donations. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir que vous me participez à cet objectif afin d'améliorer les qualités des lives. Je vous rappelle aux donateurs que demain arrive le cadeau des followers et des donateurs. Merci à vous pour votre cadeau. Ça fait super plaisir. C'est grâce à vous que c'est possible. Bah écoutez, bonne soirée, bonne nuit à vous. Bonne reprise des cours pour demain matin pour ceux qui ont en cours. Bon courage pour ceux qui bossent. Dormez bien. Et prenez soin de vous et sortez couverts. À demain. Bonne nuit. Bisous les loups. Ciao. Ça tombe bien. Et voilà la famille. Le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.